tous ces hypocrites. Oui, on connaît les solutions. Et oui, on ira prendre l'argent dans vos poches, que vous le vouliez ou non. On ira le récupérer dans les paradis fiscaux, ces 60 à 80 milliards d'euros qui manquent à l'État français chaque année. Hay que mostrar no solo nuestra solidaridad con los filtradores, con los lanzadores de alerta, sino que hay que entenderlos justamente como una labor fundamental y consustancial a la democracia porque permiten el acceso a la información. Nous devons interdire les pratiques agressives qui poussent à la fraude, le délit d'incitation à la fraude et à l'évasion fiscale. Nous devons faire interdire la publicité pour l'évasion fiscale. Nous devons interdire pour les banques françaises d'avoir des filiales dans les paradis fiscaux. No caso concreto, se me pedem um exemplo concreto, eu diria que no que diz respeito à evasão e à elusão fiscal, nós temos feito um trabalho muito sério na tentativa de taxação do capital financeiro, na tentativa de uma maior redistribuição da riqueza e, sobretudo, que os impostos que fogem, que não são pagos e que fogem para outros países, que possam ser integrados nas contas públicas de cada um dos países para melhorar os serviços públicos. Cette écossière. Merci également aux personnes qui nous suivent via le live. Donc surtout pour ces personnes-là, n'hésitez pas à aimer, à réagir via les commentaires et à partager avec vos amis et les inviter à suivre bien sûr la France Insoumise sur les réseaux, si ce n'est pas déjà le cas. Pour vous, merci beaucoup d'être venu ici. Pour clôturer rapidement cette parenthèse des remerciements, je me dois de saluer les équipes qu'on appelle souvent les petites mains, bien que les cerveaux aient également bien travaillé ces derniers temps. Donc c'est vous trouvez ce soir à l'accueil, ainsi qu'au service d'ordre. Donc il s'agit des groupes d'action locaux, principalement celui de la ville de Nîmes, le groupe d'action de l'AMI. Donc, merci aux militants. Des remerciements particuliers à Karine qui porte notre voix jusqu'à travers les ondes radiophoniques, ainsi qu'à Ted et Jean-Marie qui se sont démenés pour gérer l'aspect logistique de cette soirée et risquent à présent le burn-out militant malheureusement. Donc pour entrer dans le vif du sujet, donc, ici on parle des élections européennes, donc là c'est quelque chose qui, comme ces personnes que vous allez voir sont très vives, autant d'esprit que par leur action, nous vous demandons également d'être aussi réactifs. Et là, dans cette campagne, vous pouvez vous engager de façon vraiment très différente. Il y a les dons via la plateforme don.lafranceinsoumise.fr. Il y a également le FinAction. D'ailleurs, merci, car nous avons récolté beaucoup de fonds en peu de jours. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Et vous pouvez également donc distribuer tout ce qui s'agit des brochures, donc des livres thématiques, ainsi que le programme pour les européennes. Donc à ce sujet, vous avez un stand de matériel qui se trouve juste à côté des portes, où vous pouvez vous fournir en autocollant, en badge, en affiche, tout ce qu'il faut pour faire une bonne campagne. Et pour ce meeting ce soir, nous allons recevoir plusieurs orateurs. Le premier, donc, il s'agit de la personne qui a été suppléante pour les législatives de 2017 sur Arles. Donc, il s'agit bien sûr donc de Thomas Champigny. Je vais bientôt lui céder la parole. Avant ça, une petite parenthèse pour vous convier à la prochaine édition du Fiestival, auquel j'ai eu le plaisir de participer l'année dernière en tant que musicienne. Donc les 14 et 15 juin 2019, soyez au rendez-vous, venez passer un week-end avec des débats, des discours, de la musique et beaucoup de bonne humeur dans la campagne sommièroise avec les groupes d'action locaux.
À présent, je cède la parole à notre premier orateur. Donc, merci de l'accueillir chaleureusement et je vous souhaite, mesdames et messieurs, une bonne soirée. Thomas Champy. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thomas Champigny, donc candidat sur cette belle liste insoumise pour les élections européennes. Je travaille sur Alès, dans le nord du département. Département, vous le savez, fortement marqué par les mobilisations sociales ces dernières semaines, ces derniers mois, ce qui a fortement imprégné notre campagne pour les élections européennes. Cette mobilisation, elle n'est pas un hasard. Elle a des racines dans les difficultés de sa population, un taux de chômage et un taux de pauvreté absolument inacceptable ici. Moi, j'ai la chance d'être ingénieur dans le secteur industriel, dans le secteur de l'aéronautique et de l'aérospatial. Dans ce secteur, l'échelon européen est très pertinent. On travaille pour Airbus, on travaille pour l'Agence spatiale européenne, qui sont d'immenses réussites. J'étais hier encore en Pologne, j'ai participé à une rencontre d'architectes logiciels venus de toute l'Europe. Nous aimons cette Europe de la coopération, des techniciens, des ingénieurs, quand il ne s'agit pas que de faire du fric. Mon engagement politique a toutefois germé ailleurs, dans les ONG. J'ai été vice-président d'Ingénieurs sans frontières et j'y ai constaté, à l'échelle internationale, toutes les inégalités et surtout les causes des inégalités. Les règles commerciales scandaleuses, les traités de libre-échange absolument aberrants. Et j'ai travaillé sur le rôle des ingénieurs dans la construction d'Internet. Mon métier a une forte composante informatique, de plus en plus, une composante numérique. Et dès lors, j'ai participé et j'ai construit pour la France Insoumise ces dernières années le programme sur les questions de droit, des libertés numériques, des enjeux du formidable outil qu'est Internet. Parce que les technologies numériques sont au cœur de nos vies. Accès à l'information, travail, partage, rencontre, amour, participation démocratique, etc. De formidables outils qui esquissent une société plus libre, diverse, solidaire. Les médias coopératifs, les logiciels libres, les publications scientifiques ouvertes réinventent, réorganisent le monde. Pourtant, cette utopie, clairement, finit souvent par muter en une dystopie. Parce que ces bouleversements peuvent se faire dans deux directions opposées. Soit on choisit d'encourager l'appropriation privée, soit on peut choisir de faire des biens communs. Soit on choisit de laisser continuer l'exploitation massive de nos données personnelles à des fins publicitaires. Ou ces données peuvent servir avant tout aux biens publics sociaux, de la santé, de l'éducation par exemple. Soit on choisit l'ubérisation de la société, la précarisation des travailleurs, ou bien la reconnaissance d'un statut protecteur en tant que salarié de ces plateformes et une justice fiscale. Pour nous, le choix est clair. Dans le domaine, par exemple, du partage des œuvres, nous voulons des alternatives à l'idéologie propriétaire. Nous voulons le partage non marchand entre individus, une forme d'accès pour tous au bonheur. Mais pour cela, il nous faut préserver les auteurs avec un système que nous proposons de rémunération globale de la création. Arrêtons de renforcer les droits d'auteur. Arrêtons de privatiser le domaine public. Pensons le futur. Je veux ici féliciter le vote de Younous Omarji, que vous connaissez, qui est candidat sur la liste, un des deux seuls députés européens français qui a voté la semaine dernière contre la directive droit d'auteur, c'est-à-dire contre le filtrage automatisé du net au nom du droit d'auteur. Dénoncé, et je reprends ces mots, comme une censure culturelle majeure, liberticide, une conception de l'Internet du siècle dernier. Alors posons-nous les questions. Quel numérique ? Quel Internet nous voulons en Europe ? Si Google est devenu le premier lobbyiste européen, Google, c'est pas pour rien. Il y a des enjeux politiques énormes. Les multinationales du numérique
je le mentionne, sont les championnes de l'évasion fiscale. Il en sera question dans cette soirée. Enfin, le numérique, ce n'est pas virtuel. Comme toute activité, il y a des conséquences écologiques. Nous devons lutter contre la consommation énergétique incontrôlée, contre l'obsolescence des matériaux. Il est inacceptable de continuer à exporter nos déchets dans d'autres continents. Dans le numérique, comme dans tous les secteurs, l'Europe zéro déchet. Voilà. Ces combats numériques portent l'intérêt général humain pour la souveraineté des peuples et pour la préservation de l'écosystème. Et j'appelle maintenant à nous rejoindre dans cette salle notre tête de liste pour les élections européennes, Manon Aubry, ainsi que notre président de groupe parlementaire et également candidat, Jean-Luc Mélenchon. De la région d'à côté, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et c'est vrai qu'il y a toujours une certaine chaleur quand on vient faire des meetings dans le sud. Donc ça fait toujours plaisir et merci pour ça. Alors ce soir, merci d'abord à tous ceux qui ont rendu possible l'organisation de ce meeting. Parce que voilà, nous on arrive et on a des super gens, super enthousiastes qui applaudissent. Mais ceux qui le rendent possible, ce sont les équipes techniques, les équipes locales. Et c'est important de le dire pour commencer. Et je pense qu'on peut les applaudir d'ailleurs. Alors moi, ce soir, pour commencer, j'avais envie de vous parler d'évasion fiscale. Vous allez me dire, c'est mon dada, elle va encore nous parler de ses paradis fiscaux, de Juncker, etc. Ouais, il y a des chances que je vous parle d'eux. Mais la raison pour laquelle j'ai envie de vous parler de tout cela, il y en a deux. La première, c'est que pour ceux qui ont regardé le débat hier, alors je vous en veux pas si vous n'avez pas tenu jusqu'au bout, même moi, j'avais envie de dormir. Rassurez-vous, je ne vous en veux pas. Et puis par ailleurs, il y avait un thème qui était prévu pour hier, c'était la question fiscale, la question de la justice fiscale, la question de la lutte contre l'évasion fiscale. Et à la place, on a eu une heure sur l'immigration, comme si il semble que c'était le Rassemblement national qui avait fait la liste des questions, voire même des réponses à France Télé. Salut France Télé. À défaut d'avoir eu le débat hier sur les questions d'évasion fiscale, je me suis dit que c'était bien d'en parler ce soir et qu'on puisse enfin avoir peut-être le débat qu'on aurait dû avoir hier soir. Et la deuxième raison pour laquelle je voulais vous parler de ça ce soir, c'est parce qu'on est cette semaine, avant-hier, c'était les 3 ans des Panama Papers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Panama Papers, un des plus grands scandales d'évasion fiscale, qui a marqué quand même l'histoire économique récente de ces dernières années, qui nous a tous heurtés, choqués, parce qu'un certain nombre de grandes richesses, un certain nombre de grandes entreprises multinationales ont décidé de faire cessation à notre démocratie et de ne pas payer d'impôts. Et puis on se disait, moi, quand je travaillais à Oxfam sur les questions de justice fiscale, à chaque fois qu'il y avait un scandale d'évasion fiscale, on avait les journalistes qui nous appelaient et puis qui nous demandaient... Ben alors, comment c'est encore possible ? Avec une certaine forme d'étonnement, parce qu'il y a eu les Panama Papers, il y a eu les Paradise Papers, il y a eu une longue suite de scandales d'évasion fiscale. Et puis, à chaque fois, je leur disais, mais vous savez,
Il y aura des scandales tant que le problème n'est pas réglé. Et il se trouve que 3 ans après les Panama Papers, le problème n'est pas réglé. Et la question de la justice fiscale est plus profondément ancrée, et plus profondément ancrée dans notre société, mais aussi dans les mobilisations sociales. Parce que l'impôt et le fait d'avoir un système fiscal juste, c'est au final et au fond ce qui a motivé un grand nombre de révolutions de notre histoire, que ce soit en France ou dans d'autres pays. La Tea Party à Boston qui lance la révolution américaine, c'était une question d'impôt. En 1789, la révolution française, c'était aussi une question d'impôt. Les plus pauvres qui se mobilisent contre les privilèges des plus riches. Faire de l'impôt un outil de redistribution des richesses. D'ailleurs, ça a même été codifié dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 13, qui dit très clairement, on contribue à l'effort national en fonction de ses moyens. En fonction de ses moyens. C'est simple, et ça date d'il y a plus de 2 siècles. Plus on est riche, plus on paye. Plus on est pauvre, moins on paye. C'est comme ça qu'on participe à l'effort national, et c'est comme ça, derrière, que l'on peut financer les services publics. Et c'est fort de cette histoire, fort de ces mobilisations sociales, que se mobilisent aujourd'hui, depuis plus de 20 semaines, les Gilets jaunes. Que dit le mouvement des Gilets jaunes ? Finalement, on a traité les Gilets jaunes d'anti-écolo, d'anti-impôt, mais c'est pas contre l'écologie que se mobilisent les Gilets jaunes. J'en vois ici beaucoup dans la salle. Est-ce que vous pensez être anti-écolo ? Est-ce que vous pensez être anti-impôt ? On est d'accord. Là, c'est quoi le sens de la colère des Gilets jaunes ? Parce que ça fait 20 semaines, ils ont l'air toujours pas la comprendre. C'est contre l'injustice fiscale. Ça a démarré avec une taxe carbone où on demande aux plus pauvres de payer pour les plus riches pour l'écologie. Allez, payez une taxe en prenant votre voiture et on vous offre pas d'alternative de transport, pas de transport en commun parce que ceux-là ont été en plus libéralisés par l'Union européenne. Voilà ce qu'est le sens de la mobilisation des Gilets jaunes. À tous les éditorialistes, à tous ceux qui se posent encore la question dans la classe politique. Certes, c'est une colère fiscale, mais ce n'est pas une colère contre l'impôt. C'est une colère contre l'injustice fiscale. Et ça, il faut le dire une bonne fois pour toutes, que ça rentre dans la tête des gens. Et oui, c'est pour ça qu'on a été mobilisés dès le début aux côtés des Gilets jaunes. C'est pour ça que nous continuerons à porter les revendications des Gilets jaunes. Ce n'est pas de la récup, c'est du bon sens. D'ailleurs, un petit mot là-dessus. Vous avez sans doute vu Alors, d'abord, le gouvernement, sa réponse aux Gilets jaunes. Quand les Gilets jaunes demandent la justice fiscale, le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, le référendum d'initiative citoyenne, quelle est la réponse du gouvernement ? La sécurité, toujours encore plus de sécurité. Et je vous donne une dernière louche de sécurité. Le pompon, la goutte d'eau, la loi anti-casseurs. Oui, les amis, les Gilets jaunes, vous êtes des casseurs. Vous êtes des casseurs parce que avec la loi anti-casseurs, on pouvait même vous interdire de manifester et le « on », c'était un préfet. Alors, vous avez sans doute vu le Conseil constitutionnel dans une forme de lucidité qu'on ne lui connaît pas toujours, il faut le dire, a censuré cette disposition, ce qu'on disait depuis le début. Oui, cette loi anti-casseurs est liberticide. C'est une atteinte à la liberté de manifester. Et oui, vous aurez le droit de continuer à manifester. Alors, si on revient aux questions fiscales, rassurez-vous, on ne va pas parler des chiffres où personne n'y comprend rien. Parce qu'on essaie, et un certain nombre de forces politiques essaie de capitaliser sur les peurs des gens en agitant le spectre du communautarisme, en faisant d'un certain nombre de personnes des boucs émissaires, en leur disant qu'ils veulent faire récession, en désignant par exemple les étrangers, les exilés.
Mais ceux qui font sécession à notre démocratie, ne serait-ce pas les évadés fiscaux ? Ne serait-ce pas les évadés fiscaux qui attaquent notre principe démocratique ? Ce sont eux les grands responsables. Ce sont eux qui sont aussi les coupables de notre consentement à l'impôt, de l'attaque à notre consentement à l'impôt. Ce sont eux aussi qui font et qui affaiblissent notre force publique et nos services publics, parce qu'ils refusent de payer leur juste part. Bizarrement, ce n'est pas à eux que l'extrême droite s'attaque. Ceux qui font sécession aujourd'hui d'une démocratie, ce sont les évadés fiscaux, ce ne sont pas les étrangers, ce ne sont pas les exilés. Alors, que fait notre chère Union européenne face à tout ça et quel est le contexte ? Eh bien, on a un certain nombre de paradis fiscaux qui facilitent ces systèmes d'évasion fiscale. Moi, j'ai travaillé dessus pendant des années et je vous jure, c'est un peu le concours l'épine de l'évasion fiscale. On a l'Irlande qui nous baisse son taux d'imposition, puis le Luxembourg qui dit « Ah non, attendez, moi je vous offre une petite négociation avec moi. » Et puis après, il y a les Pays-Bas qui disent « Attendez, moi, si vous déposez un brevet dans mon pays, je vous offre une ristourne. » Et puis c'est comme ça qu'on a une course à la concurrence fiscale. C'est comme ça qu'au final, l'impôt des entreprises baisse, les uns après les autres. Voilà le résultat de l'Union européenne. L'Irlande, le Luxembourg, oui, ce sont des paradis fiscaux. N'en déplaise à Monsieur Moscovici qui a dit pas plus tard qu'il y a deux semaines « Ah non, il n'y a pas de paradis fiscaux en Europe. » Ah oui, le Luxembourg, l'Irlande, c'est quoi pour vous ? Ce sont des pays où la Guinée, c'est bonne ? C'est juste ça ? C'est pas un paradis fiscal ? Alors, ils tentent de nous faire croire qu'ils ont agi en la matière. Ils tentent de nous dire que le problème est réglé et qu'ils ont tout fait pour lutter contre l'évasion fiscale. Mais la conséquence de tout cela, au rythme où on va, en 2050, c'est pas dans longtemps, on le connaîtra 2050, j'espère que vous le connaisserez tous dans cette salle. Oui, vous le connaîtrez tous parce que on va protéger nos hôpitaux pour vous soigner, les amis, c'est aussi à ça que sert l'argent de l'évasion fiscale quand même. Donc, en 2050, les entreprises, au rythme où on va, ne paieront plus un euro d'impôt. Alors vous allez me dire, les Google, Amazon, Facebook, ils payent déjà pas beaucoup. C'est vrai. Mais en 2050, plus un seul euro d'impôt. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Quand les grandes entreprises ne payent plus un euro d'impôt, les États, ils ont deux solutions. Ben, y a moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Ben, ils se disent, ben, on va dépenser moins. On a moins les moyens. Et c'est comme ça que vous avez une suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, une division par deux du nombre de maternités, nos écoles qui sont attaquées, et ils nous disent « Non, mais on n'a plus d'argent pour les services publics. » Ah oui ? Et les 60 à 80 milliards d'euros qui sont présents dans les paradis fiscaux, que l'on perd chaque année à cause de l'évasion fiscale, c'est pas de l'argent pour nos services publics ? C'est pas de l'argent pour la transition écologique ? Que faites-vous pour cela ? Première solution donc, ils coupent dans les services publics. Deuxième solution, que font-ils ? Moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'État ? Bon, bah, on va essayer de récupérer l'argent là où on peut. Du coup, on vous fait les poches. Ah ouais, c'est plus simple. Qui, ici, levez la main, a un compte aux îles Caïmans ? Au Panama ? Aux Bermudes ? En Suisse ? Bah alors, les amis, faites pas d'évasion fiscale ? Bernard Arnault, il le fait, lui ? Pour ceux qui dirigent une petite entreprise, il y en a peut-être dans la salle. Vous n'avez pas votre petite filiale au Luxembourg ? Allez, promis, je ne vous dénonce pas. Non ? Bah pourtant, s'il y en a ici dans cette salle qui tiennent une librairie, Amazon, eux, regardez vos factures d'Amazon si vous utilisez Amazon Luxembourg. Quand vous allez au bar du coin de la rue, un bar PMU ou un tout autre bar, est-ce qu'ils ont, eux, une filiale dans les paradis fiscaux ? Ah non, c'est galère. Allez voir votre dirigeant de PME et dites-lui, oui, fais ta petite filiale dans les paradis fiscaux. Par contre, Starbucks, ils ne s'en privent pas. Et donc, voilà que font les États. Bah, quand on n'arrive pas à taxer
les grandes entreprises multinationales les plus riches, ben on vous fait les poches. Et quand on vous fait les poches, vous l'avez tous senti, hein, c'est la CSG qui augmente, en particulier pour les retraités. La CSG en 20 ans a été multipliée par 6,7. Vous vous rendez compte, par 6,7. Deuxième impôt qui augmente, la TVA, plus 73% en 20 ans. Concrètement, ces impôts, ils sont injustes. Pourquoi ? Bah parce que quand on est plus pauvre, quand on reçoit de l'argent, a priori, pour ceux qui sont parmi les gens d'entre vous qui touchent le RSA ou qui sont au SMIC, je pense que vous n'allez pas trop spéculer sur les marchés financiers. Vous aimeriez bien épargner, mais c'est difficile. Bah ouais, votre salaire, vous le dépensez. Vous le dépensez parce qu'il faut bien survivre. Vous allez payer votre loyer, vous allez acheter à manger, vous allez payer des choses pour vos enfants. Et résultat, une plus grande partie de votre salaire, vous la consacrez à la TVA. À la TVA et à la CSG. Résultat, aujourd'hui, ceux qui payent la plus grande part d'impôts, ce sont les plus pauvres. Voilà le résultat de leur politique fiscale. Voilà pourquoi les Gilets jaunes se mobilisent. Alors, qu'est-ce qu'a fait l'Union européenne face à tout cela ? On a eu une petite succession de scandales d'évasion fiscale, je vous l'ai dit. Les LuxLeaks, les Panama Papers, les Paradise Papers, les Offshore Leaks. Bon, je m'arrête là parce qu'il y a aussi les Swiss Leaks. Bon, bref, ils sont nombreux. Et je crois que la liste n'a pas fini de s'allonger. Donc, l'Union européenne, la main sur le cœur face à la multiplication des scandales d'évasion fiscale, ils ont dit, bah, quand même, il faut agir. C'est un petit peu devenu comme l'écologie, vous savez. Hop, vite, au plus vite, on sort son petit drapeau de l'écologie ou de la lutte contre l'évasion fiscale. Regardez, avec mon bâton de pèlerin, je me souviens, Gérald Darmanin, le ministre des comptes publics, il est quand même, je me souviens, à l'Assemblée nationale, il est quand même dit, quand on lui a posé la question, mais pourquoi vous listez pas le Luxembourg ou l'Irlande comme paradis fiscal ? Je me souviens, il avait dit, non, quand même, on ne peut pas dire que ce sont des paradis fiscaux, comme un certain Pierre Moscovici. Et puis il a dit, mais je vais prendre mon bâton de pèlerin, et je vais aller au Luxembourg, et je vais les convaincre. Vous imaginez Gérald Darmanin, hop, qui arrive au Luxembourg et qui dit, non, non, vous êtes un paradis fiscal, vous allez arrêter. On se moque de nous. On se moque de nous. Eh bien, l'Union européenne, elle s'est moquée de nous aussi. Qu'est-ce qu'elle a fait ? D'abord, regardons le casting. Alors, dans le casting, le premier d'entre eux, c'est un certain Jean-Claude Juncker. Vous le connaissez, Jean-Claude Juncker ? Alors, Jean-Claude Juncker, c'est le président de la Commission européenne. C'est le président encore en exercice pour ce mandat. Jean-Claude Juncker, c'était le premier ministre du Luxembourg au moment des LuxLeaks, le fameux scandale d'évasion fiscale qui a impliqué plus de 340 multinationales, qui a été révélé où ces entreprises passaient un accord secret avec le Luxembourg pour payer le moins d'impôts possible. Comme si vous, avec votre feuille d'impôt, vous alliez voir le fisc. Moi aussi, je peux avoir une ristourne, s'il vous plaît. Bon, bah, voilà, c'est ça qu'ils ont fait. Et donc, ce monsieur Jean-Claude Juncker, c'est le président de la Commission européenne. Finalement, ils ont placé à la tête de la Commission européenne le VRP des paradis fiscaux. C'est un peu comme si on demandait à un pyromane d'éteindre un incendie. Voilà leur bilan en matière d'évasion fiscale, voilà leur casting. Alors à ça, on peut rajouter, pour peut-être la prochaine Commission européenne, un monsieur qui s'appelle Frans Timmermans. Frans Timmermans, c'est ce qu'on appelle le Spitzenkandidat. Donc c'est en gros, désolé, je parle très mal allemand. C'est le candidat qui est pressenti par le Parti socialiste, par le groupe socialiste européen, pour devenir le nouveau président de la Commission européenne. Ce qui me permet de rappeler au passage que les Juncker, là, bah, c'est les sociaux-démocrates et la droite qui se sont accordés pour placer Juncker. Leur prochain chef de file, c'est Frans Timmermans, qui n'a été autre que ministre aux Pays-Bas. Luxembourg, Pays-Bas, c'est bien, on va faire un petit tour des paradis fiscaux pour diriger l'Union européenne. Je pense qu'en matière de casting, dans la lutte contre l'évasion fiscale, on peut faire mieux. Et tous ces gens-là ont promis ou promettent main sur la main
d'agir contre l'évasion fiscale. C'est un peu aussi crédible que McDonald's qui lutte contre l'obésité. On connaît le résultat. Alors, la question se pose de qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'on voit très bien quel est leur bilan en matière de lutte contre l'évasion fiscale. On a le casting. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors, ils ont parlé d'évasion fiscale. Hein, ça, il n'y a pas de doute. Ils en ont parlé. Mais quand on regarde de très près leur bilan, au moment des Paradise Papers, ils ont dit « Ouais, on va faire une liste de paradis fiscaux, on va enfin nommer les paradis fiscaux, ils vont être mis au banc de la communauté internationale. » D'ailleurs, ça me rappelle ce qu'avait dit un certain Nicolas Sarkozy en 2007, quand même plus de 10 ans. Hein. Nicolas Sarkozy avait dit « C'est la fin des paradis fiscaux. Chacun pourra juger le résultat 12 ans plus tard. » Donc, on a la Commission européenne et l'Union européenne qui nous disent la main sur le cœur, on va faire une liste de paradis fiscaux. Alors nous, les ONG, on était super contents, on disait ça y est, on tient notre victoire, on se bat, on va proposer des critères qui permettent de définir les paradis fiscaux. Ça y est, ça fait 20 ans qu'on se bat contre l'évasion fiscale, enfin le problème va être réglé. Vous allez me dire, on est peut-être un peu naïf, je vous l'accorde. L'histoire ne nous a pas forcément donné raison, mais on y a cru. Et je crois que c'est aussi la force de notre conviction, de notre engagement, qui a fait que ce sujet est devenu un sujet majeur dans l'actualité politique. Ce que je peux vous dire, il y a une dizaine d'années, les associations qui travaillaient sur le sujet prêchaient dans le désert. Donc au moins maintenant, c'est devenu un sujet majeur. Mais donc, on va voir la Commission européenne, on leur soumet nos critères, on leur dit, bah voilà, tous les pays qui ont un taux d'imposition sur les sociétés zéro, bah on les liste, ça paraît évident. Les îles Caïmans, Jersey, Guernesey. Ils ont un taux d'imposition zéro. C'est un paradis fiscal. Évidemment qu'on va les lister. Et donc, on travaille, on essaie de les influencer pendant un an pour faire une liste de paradis fiscaux. Puis ils en font une qu'ils actualisent il n'y a pas plus tard que moins d'un mois. Cette liste de paradis fiscaux, elle comporte 15 États. Vous pouvez me dire, c'est pas trop mal, 15 États, c'est mieux que rien. Ouais. Sauf qu'il n'y a aucun paradis fiscal notoire. Parmi ces paradis fiscaux, on trouve, sur la liste de l'Union européenne, on trouve l'île d'Aruba, les îles Samoa, Vanuatu. Ah, vous faites un beau tour du monde, hein, mais je vous mets au défi de trouver le moindre scandale d'évasion fiscale qui inclut ces États. A priori, moi, qui ai bien suivi le sujet, j'en connais pas beaucoup. Mais aucun paradis fiscal notoire. Pas de Jersey, pas de Guernesey, pas d'île Caïman, pas d'île de Man, et aucun paradis fiscal européen. Pas d'Irlande, pas de Luxembourg, pas de Pays-Bas, pas de Malte, pas de Chypre. On se fout de notre gueule. Oui, on se fout de notre gueule. Les paradis fiscaux, on les connaît. Et puis, Ils ont aussi essayé de travailler sur un impôt en commun. Alors c'est le vœu pieux, vous savez, l'harmonisation fiscale. Pour ceux qui sont plus âgés que moi dans la salle, je suis sûre que vous avez entendu parler d'Europe sociale, d'harmonisation sociale et fiscale. Bref, les belles lettres au Père Noël qu'on nous fait régulièrement. Et la raison pour laquelle on n'y arrive pas, c'est parce que dans le droit européen, pour prendre des décisions en matière fiscale, il faut l'unanimité des États membres. Il faut l'accord du Luxembourg, de l'Irlande. Vous n'allez pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Ça n'a aucun sens. Eh bien voilà pourquoi il faut s'attaquer aux traités européens. Parce qu'ils ne permettent pas l'harmonisation fiscale, parce qu'ils créent la concurrence de tous contre tous. Ami Emmanuel Macron dans tout ça. Ah bah oui, je vais en parler. Attendez, je vais pas parler de lui. Laissez-moi parler de lui. Alors, non mais c'est important de parler Emmanuel Macron, parce que vous avez bien vu que Madame Loiseau avait un peu du mal à assumer son bilan hier. Bon, je vais revenir après, je vais parler un petit peu de Madame Loiseau. Donc, Emmanuel Macron a aussi répété un certain nombre de fois la lutte contre l'évasion fiscale, grande cause du quinquennat,
on va agir. Nous, on a, quand je travaillais à Oxfam, on a vu plusieurs fois les ministres des Finances, on s'est battus. Ils ont fait une loi sur la fraude fiscale. Vous allez me dire, top, une des premières lois du quinquennat, ils vont enfin agir contre l'évasion fiscale. Eh bien, dans leur courage caractéristique, cette loi, qu'est-ce qu'elle dit? Je ne vous fais pas l'ensemble de la loi, mais je peux vous dire au moins deux choses sur cette loi. D'abord, la liste de paradis fiscaux. Ce qu'a fait le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est qu'ils ont pris la liste européenne de paradis fiscaux. Vous savez, cette liste ridicule qui ne sert à rien. Copier-coller. Donc on s'est retrouvé avec l'île d'Aruba, les Samoa, etc. Au début, il y avait même la Mongolie, la Namibie. Bon, je ne vous refais pas le petit tour du monde, mais c'est quand même assez cocasse que ces pays soient désignés comme des paradis fiscaux. Vous remarquerez au passage qu'on aime bien pointer du doigt les pays en développement et les États pauvres, on va leur donner des leçons. Oui, oui, c'est ça, ouais. Le Maroc et la Tunisie étaient sur la liste grise. Ah oui, c'est sûr, le Maroc et la Tunisie, c'est les plus gros problèmes dans la sphère financière internationale, hein. Par contre, les dépendances de la couronne britannique, les Jersey et Guernesey, oups, il n'y a plus personne. Donc, ce qu'a fait notre ami Emmanuel Macron, copier-coller de la liste de paradis fiscaux, et en plus de ça, il s'est dit, bon, ça gueule un peu quand même, les associations, là, bon, on a essayé d'être actifs au plus qu'on pouvait, et on a demandé notamment la suppression du verrou de Bercy. Alors, le verrou de Bercy, pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, c'est le monopole qu'avait le ministère des Finances dans les poursuites judiciaires en matière fiscale. Donc concrètement, c'était le seul domaine pour lequel, le seul domaine judiciaire pour lequel, quand vous commettiez une fraude, eh ben, un procureur de la justice ne pouvait pas vous poursuivre. Il fallait que ce soit le ministère des Finances qui le fasse. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à obtenir la suppression de ce verrou-là, avec des conditions que je vous passe. Mais ils se sont dit quand même, on ne va pas mettre fin à l'impunité des délinquants en col blanc. Il ne faut pas déconner. Enfin, c'est quand même eux qui nous ont élus, donc on ne va pas s'en prendre, aux grandes entreprises, à notre ami Bernard Arnault. Non, faudrait quand même pas. Alors, ce qu'ils ont inventé, c'est un truc qui existait déjà aux États-Unis, c'est la possibilité de négocier. Concrètement, vous êtes une entreprise ou un particulier qui fait de la fraude fiscale. Vous êtes pris la main dans le sac. Vous faites face à un procès et là vous dites « Ah non, excusez-moi, monsieur le juge, je voudrais discuter, négocier avec vous. » Et puis là, vous avez le droit à un passe-droit et vous pouvez négocier votre sentence et ne pas être reconnu coupable. Alors on ne cesse de poursuivre les gilets jaunes depuis des semaines. On ne cesse de les montrer du doigt. On ne cesse de montrer à quel point ils sont responsables de toutes les violences, qui sont complices du pire, comme dirait Emmanuel Macron. Mais ceux qui sont complices du pire, ce sont les évadés fiscaux. C'est à eux qu'on devrait les poursuivre. Monsieur Castaner, plutôt que de pointer du doigt les gilets jaunes, pourquoi vous ne pointeriez pas du doigt les grands délinquants fiscaux? Vous ne pensez pas que ce serait mieux pour l'État, que vous arrêtez et que ça laisserait tranquille les gilets jaunes? Vous ne pensez pas que vous en avez fait assez? Plus de 3000 blessés dans un mouvement social? Tous vos moyens qui sont dédiés à la poursuite de gens, même innocents? Combien d'arrestations dans le mouvement des Gilets jaunes de gens qui ont été relâchés ensuite et qui n'ont rien fait, rien à se reprocher? Et combien d'arrestations d'évadés fiscaux? Combien de gens derrière les barreaux parce qu'ils ont volé à nous tous, parce qu'ils ont volé à l'État? Zéro. C'est ça la plus grande injustice. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué hier, pour ceux qui ont suivi le débat, à un moment, je pose une question à Madame Loiseau sur la question des pesticides. Alors, en vrai, j'aurais voulu aussi avoir un débat avec elle sur la question de la fraude et l'évasion fiscale. C'est ce bilan-là sur lequel je voulais l'interroger. Raté, on nous a sucré la séquence évasion fiscale et fiscalité qui était prévue dans le débat, parce que la justice fiscale, c'est vrai, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous concerne pas, on ne paye pas d'impôts, hein. Rappeler au passage, parce qu'ils ont tendance à oublier que tout le monde paye des impôts, hein.
Première source de revenus, c'est pour l'État, c'est la TVA. Et la TVA, tout le monde la paye. Et la TVA, c'est même les plus pauvres qui la payent. Alors, Madame Loiseau, quand j'ai voulu essayer de l'interpeller, je voulais intervenir sur la question évasion fiscale, on n'a pas eu, donc je lui ai demandé sur la question des pesticides, et je ne sais pas si vous avez remarqué, je lui ai posé la question sur le glyphosate, pourquoi votait-il pour l'interdiction alors qu'il y a quelques semaines, à l'Assemblée nationale, quand nos députés ont posé une proposition de loi, ils ont voté contre, tous en cadence comme des Playmobil. D'ailleurs, ils ont aussi voté contre le référendum d'initiative citoyenne. On nous parle du grand débat. On nous dit, oui, ils vont faire des propositions. Il y en avait une sur la table il y a quelques semaines. Le référendum d'initiative citoyenne. Plus de participation des citoyens dans la démocratie. Et qui l'a refusé ? La République En Marche. Ils ne veulent pas l'irruption des citoyens dans la démocratie. Bravo au passage au député, à Bastien Lachaud, qui a porté la voix, je pense, des citoyens, au député de la France Insoumise, qui a porté cette proposition dans l'hémicycle et qui montre à quel point ils ne sont pas prêts à s'ouvrir aux citoyens, à quel point ils ont peur de vous, les gens, à quel point ils ont peur de vous, les citoyens. Parce que oui, s'il y avait un référendum d'initiative citoyenne, peut-être que nous aurions demandé le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, la fin de l'impunité des évadés fiscaux, une liste crédible de paradis fiscaux, bref, tout ce dont ils ne veulent pas. Eh bien, s'il faut se battre, s'ils ne nous entendent pas dans la rue, eh bien, nous nous battrons aussi avec notre meilleure arme, qu'est le bulletin de vote. Alors, cette Nathalie Loiseau, hier, elle était un peu mal à l'aise quand je lui ai posé la question sur les pesticides. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, c'était dans la loi Pacte. C'était d'ailleurs un jour de mobilisation, le 15 mars, grande mobilisation des jeunes pour le climat. Et pendant que des jeunes scandaient des discours assez radicaux, il faut l'entendre, économie libérale, économie du capital, bref, prenaient un changement de système en profondeur, eh bien, il y avait deux ministres de son gouvernement, Brune Poirson et Gabriel Attal, qui paradaient avec les jeunes, et en même temps, dans l'Assemblée nationale, c'est le fameux en même temps qui est très caractéristique pour la majorité, ils votaient l'autorisation de produire des pesticides qui sont interdits dans l'Union européenne. Comprenez-moi bien, concrètement, il y a des pesticides qui sont interdits dans l'Union européenne parce qu'on a fait la preuve d'à quel point ils sont dangereux pour notre santé. On le sait qu'ils nous empoisonnent. Eh bien, sous le poids des lobbies, ils ont autorisé leur production en France parce que c'est pas grave, on va aller empoisonner les autres. C'est une honte, c'est hypocrite. Et quand j'ai posé la question à Madame Loiseau, elle était très mal à l'aise pour répondre. Elle ne m'a pas répondu. D'ailleurs, il l'a dit, le journaliste, 2 minutes de réponse. Elle ne m'a pas répondu. Alors aujourd'hui, depuis Nîmes, je voulais interpeller Madame Loiseau et lui dire, faisons ce vrai débat. Refaisons un débat toutes les deux et répondez à ma question. Ça prouve aussi la place des femmes dans la politique, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'était pas très nombreuses hier autour des pupitres. Et faisons ce vrai débat. Aux journalistes qui nous écoutent aujourd'hui, organisons-le. Depuis Nîmes, demandons un vrai débat démocratique avec Madame Loiseau pour qu'enfin elle réponde à ma question. La lutte contre le changement climatique, c'est un peu comme la lutte contre l'évasion fiscale. On sait qui en bénéficie, les plus riches. On sait qui en souffre, les plus pauvres. On sait que les solutions existent. On sait aussi que ceux qui nous gouvernent prétendent agir. Et on sait qu'on peut trouver les solutions, qu'on peut agir. Pendant des années, on s'est battu à Oxfam, on a mis les solutions sur la table. Pendant des années, on leur a dit qu'on peut agir contre l'évasion fiscale. Pendant des années, ils ont fait semblant de nous écouter. Et c'est aussi aujourd'hui pour cela que je m'engage en politique. Parce que j'ai été trop frustrée, j'en ai eu marre d'essayer de convaincre des gens qui allaient céder après sous le poids des lobbies. À nous tous de reprendre le pouvoir. Parce que ces solutions, on peut les porter directement dans les hémicycles. C'est le pouvoir des citoyens de faire ça.
Alors les solutions, les amis, on les connaît. Et c'est cela que nous porterons demain en tant que parlementaires européens. D'ailleurs, cette semaine, nous avons fait une proposition de directive européenne contre l'évasion fiscale. On en a fait d'ailleurs une conférence de presse. J'attends les retombées presse avec impatience, mais ils se demandent toujours où est Jean-Luc Mélenchon dans la campagne à la place, plutôt que de parler de nos propositions. Alors, rassurez-vous, Jean-Luc Mélenchon est bien là, pour ceux qui s'interrogeraient. Mais j'attends encore qu'il parle de nos propositions. Parce que c'est vrai, c'est dommage, c'est des élections européennes, on ne devrait pas parler du programme. Bah ouais. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas trop à l'aise non plus là-dessus, parce qu'il y a quand même un certain nombre de partis politiques qui n'ont ni une liste complète, ni un programme. Vous allez me dire, normalement, ça aide pour une élection d'avoir 79 noms, qui sont 79 candidats pour l'élection, et un programme. J'ai l'impression qu'on fait quasiment office d'exception. Alors oui, depuis début décembre, nous avons un programme, nous avons une belle liste faite de combattants. Et donc, dans cette proposition de directive pour lutter contre l'évasion fiscale, puisque les médias n'en ont pas parlé, je vous en parle ici, il y a plusieurs propositions très concrètes qui montrent que nous sommes des acteurs sérieux. On aime bien nous caricaturer, oui, la France insoumise, vous vous opposez tout le temps, etc. Non, on est des gens conséquents. On prend à bras-le-corps le problème. Et c'est bien pour ça qu'on s'oppose au traité européen. Ce n'est pas dogmatique, parce qu'on sait que concrètement, il nous pose des contraintes. Et donc, on essaie d'avancer au maximum. Et nos propositions, elles sont claires dans ce projet de directive européenne. C'est une liste de paradis fiscaux qui soit crédible. C'est simple, parce que les noms, on les connaît. Dessus, il y aura le Luxembourg, l'Irlande, les îles Caïmans, Jersey, Guernesey, les Bahamas, l'île de Man. Tous ceux-là, ils seront sur notre liste de paradis fiscaux. Et puis, on défendra aussi la transparence. Parce que des entreprises comme Google, Amazon, Facebook, moi j'ai travaillé pendant longtemps sur ces questions et je ne sais toujours pas quelle est leur activité économique réelle en France. Vous, quand vous avez une petite entreprise, vous déclarez, on sait ce que vous faites. Bah, eux, on ne sait toujours pas. Ce n'est pas normal qu'on puisse tolérer une telle opacité sur les pratiques des grandes entreprises multinationales. C'est ce que l'on propose aussi dans notre directive européenne, de la transparence. Alors oui, ça leur fait bizarre la transparence, ils ne sont pas trop habitués. C'est sûr qu'en politique, comme sur les questions d'évasion fiscale, on risquerait de voir ce qu'ils font. Mais ce n'est pas ça l'essence de la démocratie, l'essence du contrôle citoyen. C'est cela aussi que l'on défendra au Parlement européen. Et puis, nous défendrons aussi un taux minimum d'imposition. Cessez cette course à la concurrence fiscale qui fait que les entreprises ne paieront bientôt plus 1 euro d'impôt. Il faut un taux minimum en Europe. Ça suffit que l'Union européenne soit ce grand centre commercial, cette concurrence de tous contre tous. Il faut imposer à l'Irlande, au Luxembourg, des taux minimums d'imposition. C'est cela l'Europe que l'on veut. Et c'est pour ça que ça impose des ruptures franches et claires. C'est pour cela que nous nous opposons au traité européen actuel. Alors pour cela, les amis, le 26 mai, il faudra envoyer un commando de combat au Parlement européen. Qu'est-ce que fera ce commando de combat ? D'abord, il sanctionnera la politique injuste d'Emmanuel Macron. Ne lui faisons pas un chèque en blanc. Les amis, si vous ne vous mobilisez pas le 26 mai, si on laisse gagner Emmanuel Macron, la question qui est posée, c'est stop ou encore ? Il s'est attaqué à notre protection sociale. Il s'est attaqué à la justice fiscale. Si on le laisse remporter la partie, c'est nos retraites qu'il va toucher. C'est la TVA qu'il va augmenter. C'est la CSG qu'il va augmenter. C'est notre code du travail qu'il va encore plus casser. Envoyons-lui un message très clair le 26 mai. Ne le laissons pas remporter la partie. Ce qu'il n'est pas capable d'entendre dans les rues depuis 20 semaines,
Faisons un acte 28 le 26 mai. Sanctionnons Emmanuel Macron. Ne le laissons pas gagner. Et puis, c'est pas la seule raison d'aller voter le 26 mai. Il faut envoyer un commando de combat. Je sais, c'est une image un peu guerrière. Elle me plaît personnellement pas toujours. J'aime bien le sport, et on est d'ailleurs dans un endroit sportif. Et j'aime bien la bataille, c'est mon caractère. Donc j'ai pas peur d'aller me battre. Mais on va pas se battre avec les mains, on va se battre avec nos meilleures armes. C'est les armes démocratiques. Et les 79 noms qui sont sur cette liste, ce sont des femmes et des hommes qui ont fait leurs preuves sur le terrain. Ce sont des militants associatifs. Moi, je les connais, les lobbies, je les ai combattus, je les connais, les questions d'évasion fiscale. Anne-Sophie Pelletier, qui est sur la liste, qui est aide-soignante en EHPAD, elle connaît la question de la gestion de la dépendance et des services publics aux personnes âgées. Voilà les gens qu'on vous propose d'envoyer au Parlement européen. Des gens qui se battront pied à pied, virgule par virgule. Amendement par amendement, paragraphe par paragraphe. Oui, nous défendrons la justice fiscale. Oui, nous combattrons les paradis fiscaux. Oui, nous défendrons nos droits sociaux et l'abolition de la directive sur le travailleur détaché. Oui, nous défendrons la règle verte, la planification écologique. Voilà notre ambition. Voilà, l'argent, il existe. Des milliards et des milliards qui sont cachés dans les paradis fiscaux. Bien plus qu'il n'en faut pour faire la transition écologique, augmenter les salaires, garantir les niveaux de vie décents à tous, garantir une protection sociale de qualité. Et si l'argent est au paradis, même fiscal, il est temps de prendre le ciel, d'escalader et d'aller chercher tout là-haut, parce que cet argent, c'est le nôtre, les amis. Voilà ce qu'on vous propose pour le 26 mai. Des gens qui se battront avec leurs tripes, avec conviction. Des gens qui défendront des propositions au Parlement européen, une force de proposition, une force d'interpellation. Des gens qui construiront aussi l'alternative. Pour que demain vienne le goût des jours heureux. Pour que demain on connaisse enfin une action efficace de lutte contre l'évasion fiscale, de lutte contre le changement climatique. Voilà l'horizon vers lequel nous devons aller. Voilà l'horizon qui me pousse à agir et qui nous pousse à agir. Voilà pourquoi nous devons faire campagne dans les 2 mois qui arrivent. Voilà pourquoi nous allons aussi gagner le 26 mai. Parce que cet horizon-là, c'est un horizon de justice sociale et de justice écologique. Et que cet argent que nous allons reprendre, c'est pour financer la transition écologique, c'est pour financer nos droits sociaux. Et c'est pour cela que nous allons nous battre. Alors, tous aux urnes le 26 mai. Et pour accompagner ce commando de combat qui va bientôt débarquer au Parlement européen, comme il y en a déjà un à l'Assemblée nationale, 17 députés qui se battent au quotidien, parce que quand ils passent des lois à 6 heures du mat, c'est un vrai combat et une vraie bataille. Je vous demande d'accueillir celui qui préside le groupe à l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon. On est fiers hein, d'elle, hein. Je vous en prie. Chers amis, merci pour cet accueil. Je ressens comme vous une force immense qui se dégage de vous, mais d'elle. Et elle n'a rien dormi cette nuit, parce que vous ne le savez pas, mais on met 10 heures à se calmer après un débat de télévision.
Et bon, moi, 3 heures du matin en général, mais elle, presque rien, quoi. Et elle a une forme d'enfer. Moi, ça me remplit de joie. Je dis aux gens de ma génération, c'est un message qu'on envoie aux autres. Vous en avez pris pour 100 ans. Vous pensiez que c'était fini, c'est raté. La génération suivante est là et elle est dans le combat. Et puisque je veux commencer par des messages politiques forts, d'abord, évidemment, disons que notre rassemblement affirme une première chose, notre soutien à la mobilisation qui, depuis maintenant 21 semaines, est un acte d'insurrection citoyenne sans précédent dans l'histoire sociale de la patrie. Vive les Gilets jaunes, vive leur mobilisation, vive leur courage, vive leur dévouement. Voici, au fond, que sur le monde, après ces années terribles de domination absolue de l'absurde théorie du libéralisme qui n'est qu'un habillage idéologique pour justifier la cupidité et le goût sans limite de l'accumulation de quelques-uns jusqu'au point où nous voici parvenus, où à peine 20 personnes possèdent autant que la moitié de l'humanité. Et quand cette aberration éclate sous les yeux de tous, quand elle nous soulève le cœur de dégoût et de rage, d'autres s'en frottent les mains et disent « Voici quel est le modèle de vie que nous proposons à la jeune génération. » Et nous avons un président de la République qui dit aux jeunes gens « Je voudrais que vous rêviez d'être milliardaire. » Il n'y a pas d'idéal plus immoral et obscène que de vouloir être milliardaire, c'est-à-dire d'accumuler, parce que l'accumulation se fait toujours sur le dos de ceux qui ne peuvent se protéger au moment où ils sont dépouillés. Alors, quand je vois cette vague s'être levée dans ma patrie, quand je vois ces gilets jaunes qui, pour finir, ont fait des modèles et exemples, peut-être que les gens, comme ils nous voient de loin, ils nous aiment plus que s'ils nous voyaient de près, mais dans 25 pays, il y a eu des répliques du mouvement gilets jaunes. Il y a toujours une contagion du courage et de la mobilisation. Eh bien, à cette heure où notre révolution citoyenne en France cherche à prendre son envol, où elle repose sur cette base qui, malgré tout, en dépit de tout ce qui a été dit d'elle, que chaque semaine elle s'essoufflait, comme vous vous souvenez tous, n'est-ce pas? Eh bien, on voit maintenant d'autres catégories qui viennent et entrent dans le combat, les enseignants qui viennent de comprendre que dans la loi Blanquer, il y avait quelque chose d'abominable qui va contre leur morale de vie, contre leur espérance, contre la raison d'être de leur métier, qui est de partager toujours davantage le savoir, car le savoir est cette richesse qui seule, plus on la partage et plus il y en a. Eh bien, puisque je vois cette vague se lever, qu'à cet instant, par nos applaudissements, nous adressions un message fraternel et cordial au peuple de l'Algérie qui revendique aujourd'hui ses droits civiques. Qu'il sache qu'il y a ici en France des millions de gens qui les suivent, le cœur battant d'enthousiasme pour leur lutte, qui nous font exemple par leur détermination, leur masse, leur nombre, leur courage. Merci, camarades, qui avaient préparé cette soirée. Merci, Manon, d'avoir tenu le choc hier soir, et pas seulement d'avoir tenu brillamment, parce que moi, j'ai jamais eu de doute sur les capacités intellectuelles, pour la raison que, quand nous sommes allés chercher Manon Aubry, c'est la seule personne dont je me suis occupé à propos de cette liste, hein, eh bien, nous sommes tombés sur un esprit extrêmement exigeant, qui nous a pris la tête pendant environ 3 réunions, et plus de 10 heures avec des... Non, mais on a fait le travail, je veux que vous le sachiez, parce que je vais vous parler de la liste maintenant. Nous avons fait un travail sérieux, et point par point, nous avons vérifié que nous étions bien d'accord. Parce que cette femme est consciente de la responsabilité qu'elle endosse à partir du moment où elle accepte d'être la tête de liste. Non seulement il faut mener le combat, il faut être sûr qu'on est bien d'accord. On ne peut pas se permettre une pelade en cours de route, une divergence, une explication qui réjouirait évidemment tous les tics qui sont après nous. Hein ? Mais non seulement on ne peut pas faire ça, mais en plus il y a une responsabilité. Nous sommes une grande force depuis l'élection présidentielle. Et quand on est une grande force, on a une grande responsabilité, et peut-être la première d'entre elles. J'ai vu s'effondrer, mais j'en étais pas surpris, tous ceux qui, des mois durant, m'ont jeté des pierres sur mon ego qui rendait tout impossible, et sur je sais pas quoi, on avait tous les défauts. Eh bien, j'ai vu que ceux-là qui nous faisaient en commun ce reproche n'étaient pas capables de se mettre en commun pour tomber d'accord pour proposer à faire quelque chose d'autre que ce que nous faisons.
Eh bien, je le regrette, parce que ça aurait été meilleur que chacun aille à la bataille et rassemble plus. Mais nous, maintenant, nous devons assumer la responsabilité que le peuple nous a confiée. Et c'est pourquoi je serai toujours si exigeant. Il est interdit de se disputer quand on est insoumis. Chacun va son chemin, convainc avec ses mots, avec sa conviction, avec sa manière d'être. Manon Aubry porte notre message collectif et elle a la conscience de cette responsabilité. Eh bien, c'est celle de chacun d'entre vous, hommes et femmes qui êtes ici. Aucun d'entre nous ne renonce à être qui il est dans le mouvement de la vie qui l'a fait différent de celui qui est à côté. Mais il y a d'abord la priorité à ce que nous portons en commun. Le combat que nous assumons au nom de tous est pour tous. Voilà le message que nous portons. Nous avons assumé notre responsabilité en faisant une liste. Et je veux saluer le travail de ceux qui ont constitué cette liste. Ce n'était pas moi, comme le disent certains Sceaux et Benet, qui ne comprennent pas ce que nous faisons, qui ne se sont jamais intéressés à nos méthodes de travail. Parce que moi, je sais depuis la première heure, depuis ce soir où 7 millions de voix se sont regroupées avec le bulletin de vote « L'avenir en commun », je savais qu'on avait une responsabilité, que chaque chose que nous ferions aurait de l'importance. Eh bien, faire une liste, ça ne pouvait pas se faire dans un bureau à 3 ou 4 où on choisit ses amis et ceux à qui on veut récompenser. C'était forcément un travail collectif. Eh bien, il y a eu une équipe de 32 personnes dont 60% étaient tirés au sort et qui ont étudié les 600 candidatures une par une pour voir comment faire la liste qui ressemble plus à la société dans sa diversité, avec pour principal titre d'honneur le métier que l'on connaît et que l'on possède plutôt que les autres titres qui ont cours dans d'autres formations politiques. Ils ont fait un magnifique travail et par conséquent, si je vous le dis, c'est pour vous dire que cette liste ressemble à la société française et que c'était difficile de choisir parmi 600 personnes pleines de bonne volonté, prêtes à se dévouer. C'était difficile et ils l'ont fait. Et heureusement pour moi, ce n'était pas à moi de le faire. La seule chose que j'ai fait, c'est participer à la discussion pour trouver la tête de liste. Et chaque fois que je l'entends, je suis inondé de bonheur en me disant « on ne s'est pas trompé ». On ne s'est pas trompé, hein ? Alors, quand même, ici, j'ai aussi les candidats qui sont là, quand même, on peut leur... Eux, ils s'en foutent, hein. Les insoumis, c'est comme ça, c'est pas trop leur truc, mais quand même, je les cite, parce que j'ai ici Thomas Champigny, qui est de votre coin, qui est un ingénieur dans l'industrie aérospatiale et qui est un militant des libertés publiques. On peut le montrer ? Non, on peut pas le montrer ? Alors à quoi ça sert, tous ces moyens qu'on a ? Il faut que je fasse tout, moi, là-dedans. Rani Sliman, qui est un militant associatif et surtout qui contribue de manière très directe à la réflexion de tout le mouvement sur l'auto-organisation. Le voilà. Regardez-le bien, parce que ces gens-là, ils jouent un rôle qu'on ne connaît pas, parce que vous savez comment c'est, pendant des années, ils ont dit « Oui, Mélenchon, il est tout seul ». Et tout d'un coup, ils en découpent 17 à l'Assemblée, qui sont guerriers comme pas un, et guerrières, et disent, mais d'où il sort ? Non, ils ne se posent pas la question, ça les obligerait à se remettre en cause. Donc celui-là, que vous venez de voir, c'est un de ces hommes, et de, parmi ce groupe d'hommes et de femmes, qui travaillent sur l'auto-organise. Et l'auto-organisation, c'est une des grandes conquêtes de la manière avec laquelle fonctionne le mouvement des Insoumis. Nous ne sommes pas un parti, nous sommes un mouvement. C'est une forme d'organisation différente. Nous sommes plus, comment dire, souples. Plus j'ai dit une fois gazeux, j'aurais mieux fait de me taire, parce que je retrouve gazeux partout, mais à la fin, ça fait quand même un mot bizarre, quoi, gazeux. Mais vous comprenez ce que ça veut dire. Comme je connais rien en physique, moi, je me disais, le gaz, ça veut dire qu'il y en a partout, quoi, dans les plus petits recoins. Et on m'a dit, ah non, vraiment que tu dises que c'est liquide, parce que les atomes... C'est bon, moi, ma spécialité, c'était la poésie du XVIe siècle, pas les gaz et les solides, hein. Bon. Et puis, alors après, il y a évidemment... Pascale Le Néouanic, j'espère qu'on va pouvoir la montrer, qui est une militante féministe de longue date, engagée avec courage et détermination. Et puis j'ai aussi Kamel Benjegelas, qui vient, lui, de Marseille, que voici ici. Alors lui, il est chauffeur routier.
Vous savez pourquoi je vous dis ces gens-là? Parce que, voilà, le seul pouvoir que j'ai, c'est de m'adresser à vous. Alors, faut pas que j'en abuse, hein. Mais des fois, ça me fait un bien fou de pouvoir dire deux, trois choses que sinon je rumine dans mon coin et c'est mauvais pour moi. J'ai lu dans un journal la question. Est-il vrai que le garde du corps de Mélenchon est en place éligible sur la liste La France insoumise aux élections européennes? Le garde du corps. Oui. Oui, c'est vrai. C'est le responsable de tout le service d'ordre national de la France insoumise. Et voyez-vous, nous avons besoin d'un tel service d'ordre. Et moi en particulier. Nous sommes 5 dans le groupe à être menacés de mort. Quant à moi, 10 personnes avaient décidé de me tuer. En même temps que Castaner, ce que je ne lui souhaite pas, ni à moi non plus. 10 personnes qui avaient décidé de me tuer. 6 sont toujours en prison. 4 autres ont été relâchés. Je ne sais ni où ils sont, ni ce qu'ils sont en train de faire, ni s'ils vont changer d'avis. Ils comptaient me tuer avec un lance-flamme, après avoir jeté des grenades sur les gens qui venaient aux réunions pour m'écouter. Donc voyez-vous, c'est une question sérieuse, qui mérite mieux que qu'on me regarde de loin. Je ne suis pas entouré d'hommes en armes. Je n'ai aucun service de protection qui vienne de l'État. Je n'ai que mes camarades qui acceptent de m'entourer, de prendre de leur temps et de me protéger. Et je veux lui rendre hommage à ce camarade. Mon garde du corps, pauvre cloche, mon garde du corps est docteur en philosophie, agrégé de philo, professeur de karaté. Il n'y a que chez les insoumis que ça existe. Et pour l'ignorant qui ne le saurait pas et qui continuerait à se moquer de lui, je l'invite à lire les productions de mon garde du corps, apprendre à philosopher avec Épicure. Populisme, le fantasme des élites, c'est son deuxième bouquin. Intelligence du matérialisme, un très bon bouquin, c'est moi qui ai écrit l'introduction. Les phrases choc de la philosophie, insoumission, émancipation, laïcité, c'est l'ouvrage qu'il vient de faire paraître. Je vous passe la liste. Voilà qui est mon garde du corps. C'est un professeur, un homme qui vit de son métier d'enseignant et qui fait honneur à notre liste. Notre liste n'est pas la collection des gens que j'aurais placés. Parce qu'évidemment, quand c'est une question qui est posée à Libération, est-il vrai que le garde du corps, c'est Libé, ça a quand même une certaine classe. La réponse a une certaine classe. Mais quand ça arrive dans le journal de monsieur Jean-Michel Baillet, eh, ça descend tout de suite de 2 ou 3 niveaux. Ayez marqué, Jean-Luc Mélenchon a-t-il placé son chauffeur sur la liste de la France insoumise aux élections européennes? Placer mon chauffeur? Mon chauffeur? C'est là que je sais que je suis un grand homme, j'ai un chauffeur, comme Jean-Michel Baillet. Eh bien non, les amis, la vérité, c'est que comme je me soucie de mes semblables, je ne conduis pas. Je me soucie aussi de moi. Et donc, il se trouve qu'il y a un ami qui veut bien me conduire. Et en plus, c'est un artiste, parce qu'il était chauffeur de taxi. Maintenant, il a changé de métier. Mais sa principale... Vous voyez ce que ça a d'humiliant de lire comme, des choses comme ça. C'est que toute votre vie est ramenée à une chose. Voilà. Sébastien Delogu, il est chauffeur de Mélenchon. Mais non, Sébastien Delogu, c'est un militant politique. C'est l'homme qui a organisé un quartier pour repeindre une école pourrie, pour que les gosses soient bien traités. Voilà qui est Sébastien Delogu. Monsieur Lucas Cerdic, pauvre petit scribouillard de la Dépêche, laqué de Jean-Michel Baillet. Voilà qui sont ces gens pour nous donner des leçons et nous traiter de cette manière-là. Nous nous engageons nos vies, eux surtout, qui sont jeunes, qui ont des métiers, et qui ont le courage de marcher devant, en sachant que ça leur vaudra des représailles. Parce que celui-là, le Sébastien Delogu, dans le dernier boulot qu'il faisait bien dans la logistique, un matin, son patron est arrivé, et il lui a dit, c'est toi, Delogu, qui es sur la liste de Mélenchon? Il a dit, oui, c'est moi. Alors il a dit, tu peux rentrer chez toi. Voilà ce que risquent les nôtres. Nous ne méritons pas d'être traités comme ça. Nous ne méritons pas d'être traités comme ça. Nous sommes des militants. Ils ne sont pas mes clients, ce ne sont pas mes amis au sens où je les placerai. Non, je n'ai placé personne.
et je ne placerai jamais personne. Il n'y a de place dans nos rangs que pour les combattants. Alors, je vais continuer la liste, hein. Vous savez, je monte dans le TGV une fois par semaine, aller-retour, pour aller à Marseille, depuis Paris, avec cette saleté de clim qui me rend malade. Eh bien, vous savez qui c'est que j'ai placé dans la liste ? Mon conducteur de TGV. Bernard Borgiali, syndicaliste et conducteur de train. Et attention, hein, parce que moi, quand j'y vais, c'est pas pour rien. Hein. Vous savez que quand je suis à Paris, je monte dans le métro, c'est ce qu'il y a de mieux. Et des fois même dans le RER. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis dans la liste le pilote du RER dans lequel j'ai l'habitude d'aller, Philippe Juravert. Et si je monte dans un camion, le mien, c'est Kamel qui me conduit, c'est mon chauffeur de camion. De même, quand je dépose un texte de loi pour abroger le statut de travailleur détaché, eh bien c'est Marina Mesure qui écrit mon texte, donc je l'ai mise dans la liste, et ainsi de suite. Je vous passe sur Gabriel Amar, parce que pour lui, il n'a vraiment pas de chance, en plus c'est mon gendre. Alors lui, il peut toujours être militant de la bataille pour l'eau publique, il peut avoir écrit 5 livres, il peut être toute l'année à courir d'un bout à l'autre du pays pour organiser les amis pour qu'ils montent des régies publiques de l'eau, il est ramené à une seule chose, il est mon gendre. Par conséquent, vous voyez bien que c'est suspect. Et on me dit, il a placé ses amis. Eh bien oui, parce que j'ai 79 amis dans la liste. Et vous, figurez-vous que c'est assez normal que parmi les insoumis, j'ai surtout des amis. On peut quand même avoir ça, non ? C'est quand même le minimum. Je voulais vous le dire parce que je l'avais sur le cœur. Nous avons fait une liste qui ressemble à la société. Cette liste, elle comporte 11% de chômeurs. La moitié est constituée de militants associatifs. 62% ne sont membres d'aucun parti politique. Moi, je suis membre d'un parti politique et je ne critique pas l'appartenance à un parti politique. Et puis, voyez-vous, je vous ai dit, il faut être à la hauteur de la responsabilité. Nous, ça nous paraissait important qu'il n'y ait pas que des insoumis labellisés insoumis. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire au bout de 2 ans d'être labellisé insoumis ? Vous savez, les insoumis n'en font qu'à leur tête. Hein. Et bon, forcément, avec un leader pareil. Bon, c'est moi qui ai dit, écoutez, attendez pas les consignes, vous savez aussi bien que moi ce qu'il y a lieu de faire. Hein. Vous le savez, parce que beaucoup d'entre vous ont l'expérience. Et puis, ce qui nous rassemble, c'est notre programme « L'avenir en commun ». Eh bien, ce sont des gens qui sont en accord avec l'avenir en commun qui constituent cette liste, mais aussi d'autres. Et je vous demande un instant d'attention. J'ai dit, nous avons pris nos responsabilités. En demandant à quelqu'un qui venait du milieu associatif, sur l'unique critère de sa capacité à mener le combat, sur un des aspects qui nous paraît les plus, comment dire, fondamentaux, les plus à l'intersection des grandes questions qui se posent. Quelle est la bataille contre la fraude fiscale ? Parce que voyez-vous, nous autres Français, depuis toujours, comme nous avons souvent eu du mal à mener la lutte dans l'entreprise pour organiser là où se fait la production, la répartition de la richesse. C'est une tradition culturelle, politique, philosophique des Français que de compter sur l'impôt pour rétablir l'équilibre et refaire de la redistribution. Pourquoi ? Parce que nous sommes la grande nation politique. Nous croyons que les lois, nous croyons que les règles qui sont décidées par tous permettent d'organiser cette répartition d'une manière qui ne dépend pas seulement du rapport de force dans une entreprise. Et c'est pourquoi, alors que nous avons le taux de syndicalisation, certainement, comme on dit, le plus bas de toute l'Europe, 8 ou 9% de syndiqués, chaque fois que les syndicalistes obtiennent quelque chose dans la lutte, eh bien, par extension, c'est appliqué à tous les travailleurs. Tandis que dans tous les autres pays, notamment les pays du nord de l'Europe, où le syndicalisme représente des 70 et des 80% des travailleurs de l'entreprise, ils n'accèdent aux accords, c'est-à-dire aux bénéfices d'un accord signé avec les patrons, que si le patron est membre du syndicat patronal et que si l'ouvrier lui-même est membre du syndicat ouvrier. Tandis qu'en France, par l'extension des avantages à l'ensemble de la branche et à l'ensemble des salariés, par la loi, nous étendons les bénéfices des résultats positifs de la lutte de classe dans un certain nombre d'entreprises. Donc nous avons raison, nous, d'être si politiques, et je suis attaché à cette tradition. C'est pas pour rien que nous parlons de révolution citoyenne. Révolution parce qu'elle veut changer la donne, parce qu'elle veut changer la hiérarchie des normes, ôter cette sottise absurde qui est la concurrence libre et non faussée au sommet de toutes les normes, pour y mettre la solidarité, le partage,
et l'entraide comme loi qui organise la société. Et ça, si nous le faisons par la loi, cela s'imposera partout, à tout le monde, parce que la loi aura été votée par tous. Cette nation politique, évidemment, elle a aussi des partis politiques. Et les gens, ça a quand même de l'importance. Tous ces gens ont fait des bavardages sur le rassemblement qui, le rassemblement que, alors on va se mettre, et puis bon, pourquoi pas, je l'ai fait combien de fois dans ma vie? Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est pas de signer à plusieurs organisations. Le sujet, c'est de fédérer le peuple dans ce qu'il est, dans ses combats, dans ses aspirations. C'est d'abord ça le plus important. Je dis pas qu'il faut pas signer des textes. Signons tout ce qu'on veut. Et après quoi? On reste entre nous, on papote entre chefs? Non. Il faut que le peuple lui-même se mette en mouvement, parce que je vous le dis, comme un jour ou l'autre, nous allons gagner. Il faudra appliquer le programme L'Avenir en commun. Le programme L'Avenir en commun, ce n'est pas un programme consensuel où tout le monde va être d'accord. C'est un programme où il va s'agir d'imposer l'intérêt général aux intérêts particuliers. Et ça, ça se gagne si le peuple tout entier s'y met. Parce que lui, il sait comment le faire. Par quel bout il faut passer. Par quels moyens on peut y arriver. Eh bien oui, néanmoins, en dépit de ce que je viens de vous dire, sur ce qui, à mes yeux, est la tâche centrale et la responsabilité politique qui m'incombe avec mes autres camarades, mais qui m'incombe peut-être à moi plus qu'à d'autres, qui est d'organiser cette pérennité de la force politique rassemblée, que ce que nous avons fait une fois ensemble ne se perde pas dans le sable, dans le ridicule peut-être de disputes de personnes, ou bien dans l'absurde d'accords entre appareils qui ne déboucheraient sur rien, on se demanderait sur quoi. Mais néanmoins, en dépit de tout ce que je viens de vous dire, je veux attirer votre attention sur le fait que cette liste est une liste où ont convergé des gens exigeants. Vous retrouvez dans la liste Emmanuel Morel, qui était l'aile gauche du Parti Socialiste et qui a quitté le Parti Socialiste, pour aller au bout de sa propre logique, qui est de dire « c'est avec les insoumis qu'il faut faire front, parce que c'est là qu'est la force ». C'est de la même manière Sergio Coronado, qui était un député ELV et qui est venu sur cette liste lui aussi, qui a accepté d'être sur cette liste. Par conséquent, ce que je veux vous dire à vous tous, qui nous accordez de la confiance, à nous autres, l'équipe qui organisons tout ça, et qui avons sollicité tout le monde aussi par vote pour que vous donniez votre avis sur la liste, ce que je veux vous dire, c'est que nous travaillons avec sérieux, avec honnêteté, avec le sens des responsabilités qui nous incombent. Ce que nous sommes en train de construire avec cette liste, avec ce vote et avec toutes les occasions politiques qui se présenteront, c'est l'immense force qui finira par prendre le pouvoir et retourner toute la situation en France et donc en Europe et par conséquent dans le monde. Notre regroupement ce soir, n'en doutez pas. Je sais qui vous êtes. Vous auriez pu rester chez vous. Et je doute que vous appreniez grand-chose ce soir. Vous entendez comment c'est mis en mots, mais vous le savez. Certains d'entre vous ont fait du chemin pour venir jusqu'ici. Vous l'avez fait parce que vous savez que dans une circonstance comme celle-là aussi, vous prenez une responsabilité. La force, le nombre que nous sommes ici, c'est une démonstration de force. Et c'est un encouragement pour ceux qui sont dans la lutte, parce qu'ils savent qu'ici, ils ont un mouvement politique ami, un point d'appui. Non, vous n'êtes pas seul, où que vous soyez, si vous êtes dans l'insoumission. Vous êtes appuyé sur cette force. Et ça, c'est très important. Eh bien, c'est la raison pour laquelle je crois d'abord que c'est à vous tous qu'il faut dire un petit merci, mais pas plus, parce que vous êtes des personnes engagées et vous n'attendez pas des merci. Mais c'est important qu'on en fasse la démonstration. Parce qu'on vous a dit tout à l'heure, voilà comment ils parlent aux gilets jaunes. Racistes, antisémites, homophobes, agressifs, mélanchonistes, toutes les tares, quoi. Mais à nous pareil, comment vous défendez les gilets jaunes alors qu'il s'agit d'une foule haineuse? Comment vous êtes d'accord avec ces barbares? Et en plus vous dites non seulement que vous êtes d'accord mais qu'ils ont raison. Vous osez même dire que vous avez de la fascination. Je les ai bien attrapés, hein. Avec un mot. Faites mieux. Un mot. Parce que j'ai parlé de Monsieur Drouet. Vous savez, je ne suis pas le seul dans cette salle. Mais des gens qui ont l'expérience comme moi des luttes, il y en a quelques-uns ici qui savent ce que ça veut dire.
celui ou celle sur qui tout repose. Je dis bien celui ou celle parce que j'ai à l'esprit mes petites camarades de Saudie médicale il y a 2 ans, ces femmes si courageuses. Celui qui porte tout ça sur son dos, il n'en peut plus, celui ou celle. Tous les autres, qu'il reste du temps, ne le regardez même pas, viennent tous les jours lui dire « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et puis toi, tu es là, puis tu ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de plus que tout ce qu'on a déjà fait. Et il faut quand même répondre, il faut toujours avoir le sourire. Et après, à la maison, quand on rentre, il faut expliquer ce qu'on est en train de faire. Parce que ce n'est pas toujours évident dans un couple. C'est très dur. Il faut beaucoup de courage. Des caractères extraordinaires se révèlent dans ce genre de circonstances. Moi, M. Drouet, je ne le connais pas. Madame Priscilla Landowski, je ne la connais pas. Jérôme Rodriguez non plus. C'est des personnes que je n'ai jamais rencontrées une seule fois de ma vie. Mais je sais qui ils sont. Je ne sais pas ce qu'ils votent politiquement. Et je vais vous dire, je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est le courage dont ils font preuve. C'est leur capacité de sang-froid. Leur capacité à regarder toujours l'adversaire en face au moment même où celui-ci veut les humilier, leur faire peur, les condamner dans les procès. J'espère que vous allez tous vous cotiser pour acheter un joli cache-nez, parce qu'il a un peu froid en ce moment, à notre ami Éric Drouet. Non, parce qu'il ne peut pas s'offrir ce cache-nez vu qu'il a ramassé une amende de 2000 euros. Donc nous, on lui achète le cache-nez. Hein, voilà. N'oubliez pas de mettre la main à la poche quand on vous le demandera. Ça va, tout le monde a compris ? Celui qui n'a pas compris ou celle qui n'a pas compris, je me fais expliquer par le voisin. Moi, je ne rentre pas dans les détails. Notre rassemblement est donc un moment et une réplique. Les espions macronistes, ils sont par là. Et puis, il y a tous leurs mercenaires là, qui envoient des tweets là, toute la journée. Ils sont payés pour ça. Ou sur Facebook aussi, plein de messages haineux. Alors, vous allez voir le compte au départ, vous n'avez rien du tout. Un type qui s'intéresse à une bagnole, l'autre je ne sais pas quoi, enfin, bref. C'est ceux-là qui nous tapent dessus. Donc, ils regardent. Eh bien, je leur dis, eh bien, allez, regardez. Regardez toutes les mauvaises têtes qu'il y a là. Regardez toutes les têtes dures. Vous avez perdu votre temps. Vous ne nous ferez pas peur. Vous ne nous impressionnez pas. Quand bien même vous vous êtes déchaînés sur nous depuis des semaines et des semaines. Notre rassemblement ce soir est un pied de nez à l'autoritarisme croissant de ce pouvoir. C'est une réplique d'indignation populaire contre le fait que 2300 personnes ont été blessées, 1400 policiers, soit 3600 blessés au total par l'usage abusif, disproportionné, mal organisé et ridicule de la force, qui a abouti à ce qu'il y ait 13 000 tirs de LBD dans ce pays, 215 blessures à la tête, 22 personnes qui ont perdu un œil, 13 blessures à la main, 5 personnes qui ont eu une main arrachée. C'est le bilan le plus terrible de l'usage de la force publique qui a été fait. Force qui appartient au peuple contre le peuple lui-même. Cette force appartient au peuple. Et jusqu'au moment où ils étaient prêts à utiliser l'armée, et on leur a fait peur en disant ce que j'ai dit, entouré par mes camarades du groupe parlementaire La France Insoumise, j'ai pris ma responsabilité, qui est de dire « faites pas ça ». Et de dire à nos militaires, rien ne vous oblige à appliquer un ordre illégitime et immoral. Ils ont eu tellement peur de ce qui se passait, qu'ils ont aussitôt remballé la marchandise et commencé à dire à la télévision, mais qu'est-ce qui prend à Mélenchon? Mais c'est un fantasme, il n'y a rien de tout ça. Tiens, tiens, tiens. Et le gouverneur militaire, qui avait dit le samedi matin à la radio que les consignes qu'il avait reçues étaient très claires. On aimerait bien savoir de qui il a reçu des consignes, cet homme-là, vu qu'on a lu dans le journal que le chef d'état-major des armées n'était pas au courant. Qu'est-ce qui donnait les consignes au gouverneur militaire de Paris, au point qu'il a pu dire « Les consignes sont très claires et très précises. S'il le faut, nous ferons usage. Nous ouvrirons le feu. » Il l'a dit. Voilà jusqu'à quelle absurdité ce pouvoir irresponsable était prêt à aller, tellement il a peur du peuple. Il a raison d'avoir peur, mais en démocratie et en république, c'est toujours le peuple qui doit avoir le dernier mot. Personne d'autre, même si ça déplaît, même quand on a le sentiment que c'est une injustice, que la décision populaire qui est prise, on s'incline devant. Sinon, on n'est pas en démocratie, sinon on n'est pas en république. La liberté, c'est toujours d'abord la liberté de celle ou de celui qui n'est pas d'accord. Je le rappelle parce qu'il me reste quelque chose de mon passé de prof de lettres. À la violence policière, se sont ajoutées des violences judiciaires. Oui, je dis violences judiciaires. Quand il y a 8000 personnes mises en garde à vue, 1800 condamnations,
dans des tribunaux qui parfois délibèrent à 5h ou à 6h du matin comme une assemblée nationale, et qui décident de la prison ferme pour tant et tant de braves gens dont la vie est instantanément détruite. 800 peines de prison ferme, 1500 comparutions immédiates, 1400 personnes qui attendent leur tour. Alors, une fois que j'ai dit tous ces chiffres que peut-être vous connaissez déjà, mais je vous l'ai dit pour que vous mesuriez à nouveau quel est le courage des Gilets jaunes et de tous ceux qui se joignent à eux chaque samedi. Et le samedi, citoyennes, citoyens, votre place est aux côtés des Gilets jaunes. Et le vendredi, avec nos mômes qui manifestent contre l'incurie des grands et des puissants qui ne s'occupent pas de régler le problème du changement climatique. Alors il y a une association Alternativa qui organise une sorte d'attentat terrifiant qui consiste à aller dans les mairies et à décrocher le portrait de notre bon maître. Le pire, c'est que des fois le maire est d'accord, mais enfin bon, on ne le dit pas. Eh bien, écoutez, franchement, c'est une action qui est originale. Elle ne nuit à personne. En général, on rend le cadre, on ne va pas le garder chez soi, quand même. Faut pas abuser. Eh bien, où on en est? 23 gardes à vue, 17 perquisitions. Une perquisition, vous savez en quoi ça consiste? On surgit chez quelqu'un à 7h du matin pour, par surprise, découvrir des preuves absolues de leur implication dans quelques crimes. Donc là, à 7h du matin, tchouf, chez les gens, pour essayer de voir où ils ont mis les instruments qui leur permettent de décrocher le tableau et de partir avec sous le bras. Un petit cours d'anatomie suffira à faire comprendre comment on s'y prend pour décrocher un tableau. Il suffit d'avoir deux mains pour le faire, c'est pas la peine d'aller perquisitionner les gens. Mais vous savez, on a bien perquisitionné des lycéens en banlieue parisienne. Et parce qu'ils s'étaient utilisé une bombe de peinture. Alors ça, moi j'ai horreur de ça, la bombe de peinture sur le mur, je trouve ça dégueulasse. Mais enfin quand même, de là, aller perquisitionner chez les gens, dans la famille, faire peur à tout le monde, pourquoi faire? La perquisition, ça n'est pas fait pour faire peur, c'est pour trouver des preuves. Hein, il faudrait s'en rappeler. Tout n'est pas quand même possible en matière de répression, il y a quand même des formes, et surtout une intelligence qui doit aller au-delà de la lettre. Alors, quand je vois tout ça, et notre force, et ce que nous voulons dire. Je sais bien qu'on a une difficulté. Tout à l'heure, Manon a dit à la fin, ne le laissez pas gagner. Ça, vous avez compris, les gens. Moi, je ne vous fais pas le tableau une deuxième fois. Hein. Si vous le laissez faire ce qu'il veut, et puis être en tête, et bien, en tête, ben, il dit, ben, puisque je suis en tête, c'est qu'ils aiment ça, donc on va leur remettre une louche. Ils ont déjà eu le code du travail qu'on a bousillé, ils ont déjà eu l'école, ils ont déjà eu la santé, et bien, tiens, allez, hop, les retraites, maintenant, et puis... Et différents autres projets. Mais en même temps, nous devons être lucides. Quand on mène une bataille, il faut en étudier tous les aspects. Bien sûr, notre mobilisation, la mobilisation sociale, elle a son importance. Il faut aussi voir que l'adversaire n'est pas aussi malin et n'est pas aussi sûr de lui qu'il y paraît d'abord. Il y a, dans l'état-major, un effet de resserrement parce que ces gens commencent à prendre peur. Et les rats quittent le navire et ils se resserrent sur sa bande initiale. Ça, c'est un aspect. Mais l'autre aspect, il ne faut pas non plus le négliger. C'est qu'à l'intérieur du mouvement, nous ne sommes pas aujourd'hui en position de force, nous autres, les insoumis. Et c'est un des enjeux de cette élection que de donner de la force à une force. Vous ferez bien comme vous voulez, les gens, encore que si vous êtes là, je me doute de ce que vous allez faire dans les urnes. Mais quand je regarde les sondages, je me dis, quand même, c'est pas normal qu'on soit les seuls à être à ce point distancé par rapport à notre propre vote à l'élection présidentielle. Alors, je sais qu'il y a de la charlatanerie là-dedans, je ne suis pas fou quand même, je ne sors pas de l'œuf. Hein. Quand je lis une notice technique qui est marquée dedans qu'il y a zéro étudiant qui vote pour nous, je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Hein. Je vous fais grâce du reste, parce que ça ne veut pas surcharger mon discours qui est déjà bien assez long comme ça. Bon, mais j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'il y avait de commun, qu'est-ce que tous disaient en commun. Pour arriver à nous mettre à ce niveau-là, ils nous mettent comme la force politique qui va le moins voter. D'accord? Alors, ils disent, par exemple, les gens qui ont voté pour M. Macron à l'élection présidentielle, il y en a 53% qui vont retourner voter pour lui aux élections européennes. Et nous, on est les derniers. Les derniers. Il n'y a que 37%, nous dit-on, d'entre nous qui va retourner voter aux élections européennes. 37. Les autres, plus de 50.
Et c'est à cause de cette différence que nous sommes rendus au point où nous sommes aujourd'hui. Si on nous mettait, c'est un peu technique à mon histoire, mais bon, je vous la raconte pour que vous en fassiez votre miel à vous. Si on nous mettait à la moyenne de participation de tous les autres, parce que je dis on est les derniers, mais loin derrière, hein, 15 points de participation moins que ceux qui sont devant nous. Si on nous mettait juste à la moyenne, c'est-à-dire en gros comme tout le monde, je ne dis pas parmi les plus brillants, alors qu'on est quand même les plus motivés souvent nous autres, hein, juste la moyenne, eh bien nous serions à cette heure annoncés à 12%. Là je ne vous parle pas de sondage secret, je vous parle de leur propre texte, de leur propre sondage, de ceux qui paraissent tous les jours, comme celui qui est paru encore ce soir. Mais nous n'allons pas fanfaronner, parce que nous sommes des gens sérieux dans la lutte. C'est la raison pour laquelle la tâche principale qui nous échoit entre maintenant et la date du 26 mai, c'est d'arriver à remobiliser autour de nous, mais surtout de convaincre. Parce qu'une partie de nos amis, ça c'est vrai, moi j'en ai rencontré, me disent « Mais qu'est-ce que tu nous dis ? Que l'Europe est une calamité ? Que la Commission européenne, c'est une arnaque, que les traités, il faut en sortir, et tu nous appelles à élire des députés pour aller à un Parlement européen qui, pour 70% des textes qu'il adopte, n'ont aucune espèce de conséquence pratique. Mais mes amis, si on y va comme ça, si parce qu'on est en désaccord avec une institution, on n'y est pas représenté, ça veut dire qu'on n'est plus nulle part. Moi, je suis député des Bouches-du-Rhône, je représente à l'Assemblée nationale qui, ceux qui, dans les Bouches-du-Rhône et dans tout le pays, ne sont pas d'accord avec la Ve République, ne sont pas d'accord avec cette politique. Et pourtant, je me réunis dans un Parlement de la Ve République avec un règlement de intérieur et une place particulière du parlementarisme qui est extrêmement réduite. Donc, je dis à nos amis, si vous ne venez pas voter dans cette circonstance, pour des raisons que j'entends, je comprends l'argumentation, mais on va se donner à nous-mêmes un coup terrible, on va se tirer une balle dans le pied. Parce qu'après, est-ce que vous croyez qu'ils vont passer derrière en disant « Ah, comme vous n'êtes pas venu voter, nous avons compris que vous n'étiez pas d'accord du tout, et donc on va essayer maintenant de se rendre utile ». Vous croyez qu'ils vont faire ça ? Bien sûr que non, regardez après les élections législatives. D'accord ? Nous, on est passé de 7 millions de voix à 2 millions et des broutilles. 5 millions des nôtres ne sont pas venus voter. Est-ce que derrière ça, devant une abstention aussi monstrueuse que celle qu'il y a eu dans tout le pays, il n'y a eu que 42% de gens qui ont été votés, est-ce que les puissants se sont dit « catastrophe, essayons de comprendre ce qui se passe dans ce pays, arrangeons-nous avec lui ». Non, pas du tout. Ils se sont dit « ils ne viennent pas, eh bien tant mieux, ils nous foutent la paix ». Voilà ce qu'ils se disent. Et c'est à vous de porter ce message autour de vous pour dire aux amis qui hésitent ou qui se demandent ce qu'ils vont faire, de les convaincre qu'il faut y aller. Parce que nous, on n'y arrivera pas, vous, moi, tout seul, on ne peut y arriver qu'appuyer sur le grand nombre. Et c'est ce grand nombre qu'il s'agit de mobiliser. Alors évidemment, pour l'instant, franchement, je le sais, hein, les gens, ils ne se lèvent pas comme moi en pensant aux élections européennes et ils ne se couchent pas le soir comme Manon en disant combien on va faire. Hein. Non. Mais ça va venir. C'est à vous de préparer le terrain. C'est à vous de commencer à faire bouger les neurones pour que les gens réfléchissent. Et il le faut parce que, voyez-vous, on est dans un moment, je l'ai dit en commençant, un moment spécial de l'histoire. Vous voyez bien que c'est en train de mal tourner en Europe. Vous voyez bien que c'est en train de se décomposer. Les Anglais sont partis, ils ne se demandent même pas pourquoi ils partent. Ils n'ont rien compris, a dit M. Macron, qui lui est plus intelligent que tout le monde, et même plus intelligent que les Anglais. Alors, hein, pourquoi c'est sur nous que c'est tombé ? Mais bon, voilà. Alors on l'a, lui, qui est tellement intelligent qu'il a compris mieux que les Anglais ce qui est bon pour les Anglais. Eh bien, les Anglais sont partis parce qu'ils n'avaient pas de raison de rester, les amis. Si on avait donné des raisons de rester, ils seraient restés. Mais il n'y a rien dans le fonctionnement de l'Union européenne qui les a retenus pour rester avec nous. Il faut le comprendre. Et il faut comprendre que le même mécanisme dévastateur est à l'œuvre dans tous les pays. Et vous autres ici, nous autres tous, notre longue histoire dans le temps, dans les siècles, c'était pour la coopération en Europe. Et pourquoi ? Parce qu'on voulait la paix. Parce que sur ce continent, on s'est fait la guerre sans arrêt pendant 3 ou 4 siècles. Et nous autres Français, nous avons été envahis 3 fois par d'autres voisins. C'est vous dire que ça a toujours été un continent chaud. Et ceux qui connaissent l'histoire, ceux qui s'y intéressent, savent que souvent, les nouvelles blessures s'ouvrent sur les anciennes cicatrices. Et il n'y a qu'à regarder dans d'autres pays comment ça se passe. Par conséquent, la paix est un bien précieux qui nécessite, pour qu'elle ait lieu, que les gens coopèrent, pas soient en compétition les uns avec les autres. Les traités européens organisent la compétition généralisée sur tous les sujets, à tout propos, entre tout le monde. Les traités européens ne créent pas de l'Europe, ils créent de la division.
il crée de la compétition, il crée de la haine. Partout où vous passez en Europe, y compris dans ces pays où on disait « Ah, comme ils sont contents d'être Européens avec nous, dans la liberté, parce qu'avant c'était le communisme, c'était pas bien, on pouvait même pas acheter de bananes, etc., etc. » Eh bien, dans ces pays-là aussi, vous avez des taux d'abstention absolument inouïs qui montrent que les gens ont compris qu'il y avait un problème et qu'ils ne savent pas quoi faire. Nous, nous ouvrons une possibilité. On me passe un message pour un truc que je vous raconte après. Merci. Quand nous aurons constitué cette force, vous avez vu, là, il y a écrit « La France insoumise, maintenant le peuple ». La France insoumise, maintenant le peuple. Nous sommes en train de bâtir une force transnationale avec Podemos en Espagne, Bloco au Portugal, etc., etc., etc. Je suis à peu près certain que nous arriverons à former un groupe politique au Parlement européen, un nouveau groupe politique au Parlement européen, en nous appuyant sur des forces qui existent déjà, plus celles que nous avons rassemblées. Par conséquent, la bataille à laquelle vous êtes appelés, ce n'est pas juste une bataille pour donner raison aux insoumis en France parce que vous ne supportez plus Macron. Le problème, c'est qu'il s'agit de s'en débarrasser partout à la fois. Si nous sommes forts en France, d'autres s'appuient sur nous, comme pour nous, c'était enthousiasmant de savoir qu'il y avait eu un très bon résultat en Espagne avec Podemos. Ça nous aidait, ça donnait du courage. À un moment, on n'était pas si fiers que ça, hein, on n'était pas si haut que ça. Et puis quand nous, on a fait 20%, eh ben, dans toute l'Europe, les autres se sont dit « Ah, on va faire comme eux, les Français, ils sont arrivés, donc pourquoi pas nous ?» Ça donne du courage. Les gens, figurez-vous que vous êtes liés comme ça, sans le savoir, à tous ces gens qui vous regardent partout et qui écoutent. Et moi, je trouve qu'on nous écoute tellement qu'on arrive à avoir des échanges et qu'on vérifie des thèses politiques qui, au départ, paraissent extrêmement sophistiquées. Regardez, quand le peuple algérien met au cœur de sa révolution citoyenne l'exigence d'une constituante, vous voyez bien qu'on se retrouve avec eux sur le même terrain. Et c'est donc qu'on a raison de penser que le peuple, quand il veut devenir le pouvoir, devient une force révolutionnaire et peut changer la vie. Alors, c'est ce qui va se passer. Mais nous devons le faire parce que si nous ne mettons pas un terme à la domination absurde du libéralisme, du capitalisme financier de notre temps, vous entendez, j'ai pas peur de prononcer le mot, le capitalisme financier de notre temps est en train de détruire les êtres humains et la planète. Il s'agit, y compris à travers cette élection, d'arrêter ça. Nous pouvons le faire. Cela dépend que de nous. Nous sommes le grand nombre. Nous pouvons le faire. Alors, ces gens-là sont des irresponsables. Ne comptez pas sur eux. Souvent, les braves gens disent « Ah, oh, ben ils savent, ils ont fait les écoles et tout, c'est que maintenant on voit bien ce que ça donne que ces gros malins. » C'est pas moi qui ai dit qu'on n'avait que 12 ans pour empêcher la catastrophe climatique. Je ne suis pas un scientifique, je vous l'ai dit, je suis un littéraire et avec un petit côté historien et philosophe, je ne suis pas un scientifique. Mais quand les 1500 experts de l'ONU disent « Il vous reste 12 ans pour empêcher la catastrophe climatique d'arriver », ou bien ces gens-là sont des farceurs, et on les renvoie chez eux en disant « Écoutez, allez faire peur à qui vous voulez, mais ce que vous racontez est absurde. » Et on prouve que c'est absurde. Ou bien ils ont raison, il faudra peut-être s'y mettre, parce que 12 ans, c'est court. Et vous autres, là, ne croyez pas que c'est une histoire comme ça, hein, parce que des exemples d'effondrement de civilisation humaine, il y en a eu dans l'histoire. Il y en a eu, les Mayas, les Vikings qui étaient partis là-bas au Groenland, etc., etc., et toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire des gens avaient détruit l'écosystème dans lequel ils vivaient, l'ont rendu invivable et ils ont dû partir. Eux, ils pouvaient partir, pas nous. Parce que nous, on est tous au même endroit sur la Terre. Et que pour l'instant, on n'est pas encore prêt à partir ailleurs parce qu'on n'en a pas le moyen. Par conséquent, nous sommes confrontés non seulement à la question traditionnelle de la politique, qui est le partage des richesses, mais nous sommes confrontés à une question nouvelle, c'est d'interroger le sens des richesses qu'il y a à partager, la manière de les produire, la manière de les consommer. Et nous tous, nous devons devenir chacun à notre manière des philosophes, capables de comprendre quel est le sens des événements dans lesquels nous sommes inscrits. Voyez-vous, j'ai vu leur pub là, aux macronistes, leur tract, il y a écrit Renaissance. Moi je trouve que leur tract a une drôle de tête, ça veut dire plutôt un truc d'extrême droite qu'autre chose, mais enfin bon, chacun son esthétique. Hein. Renaissance, ah ah ah! Alors là, ça tombe mal parce que je connais quelque chose sur le sujet. La Renaissance, qu'est-ce que c'est dans l'histoire? C'est le moment où la vieille Europe, qui était à l'époque fort jeune, voit réarriver
les textes de l'Antiquité qu'elle avait perdus, ou plus exactement, qui avaient été enterrés du fait des guerres de religion qui se menaient à travers le monde. Et grâce aux Arabes et aux musulmans qui avaient gardé les textes et qui les avaient traduits, ces textes sont revenus. Et comme ils sont revenus, on a repris la réflexion à l'endroit où on l'avait laissé tomber après la chute de l'Empire romain. Et donc les philosophes de l'Antiquité sont revenus à la connaissance des intellectuels de l'Europe. Et c'est arrivé par l'Italie, parce que l'Italie c'est la nation sœur, hein, et puis c'est toujours eux qui ont les bonnes idées au départ. Après, nous les Français, on transforme tout ça en coup de fusil, mais au départ c'est des idées. Et donc c'est le XIVe siècle italien, c'est là que recommence la réflexion et qui va se traduire immédiatement par une première conclusion fondamentale: le siège de la vérité est dans notre cerveau. La vérité, vous pouvez considérer qu'il en existe une qui vous est révélée, c'est votre liberté de croire. Et je ne m'en mêlerai pas ce soir. Mais la vérité, nous allons la trouver avec notre cerveau. Celui qui écrit le premier texte sur le sujet, le texte s'appelle « De la dignité de l'homme ». Il veut dire l'être humain, pas le garçon. De la dignité de l'homme. 1487, pic de la Mirandole. De la dignité de l'homme. Quelle est la dignité de l'homme? C'est qu'il fait sa vie. Il peut la construire à la mesure de ce que son cerveau lui suggère. Aujourd'hui, c'est banal comme idée. Mais à l'époque, c'est terrible. Comment nous allons trouver nous-mêmes? Nous allons découvrir nous-mêmes. C'est notre principale force. Et c'est ça qui va donner le courant des Lumières. Les Lumières, ça consiste à ne croire qu'à ce qu'on peut prouver. Ça ne veut pas dire que c'est que des choses matérielles. Par exemple, l'amour, vous pouvez y croire, pourtant vous ne pouvez pas le prouver. Hein. D'ailleurs, souvent, c'est un problème. Hein. Ben oui, mais c'est pour dire que ce qu'on peut prouver, et donc s'oppose à l'esprit de la Renaissance, l'obscurantisme. L'obscurantisme, c'est le contraire. C'est déclarer fausse des idées vraies, ou déclarer vraies des idées fausses. Dans l'obscurantisme, il y a trois aspects. Premier aspect, déclarer vrai des idées fausses. Exemple. Vous allez voir tout de suite avec la période, si je retrouve mon papier. Le privé, ça coûte moins cher que le public. Obscurantisme. C'est pas vrai. Le privé, ça coûte plus cher que le public. Et il n'y a pas besoin d'être un aigle pour le comprendre, parce que forcément, si vous avez quelque chose à vendre et que l'autre a la même chose à vendre, ben, vous faire de la pub. Ça, c'est un coup de plus. Plus de l'administration, etc. Vous le savez tous. Vous n'avez qu'à avoir une mutuelle et vous allez avoir une idée de ce que c'est que la compétition et le prix que ça vous coûte. Bon, donc, obscurantisme. Comme on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Obscurantisme. Ce n'est pas vrai. Parce qu'on vit plus longtemps, parce qu'on travaille moins longtemps. Ils se sont donc trompés dans l'ordre des facteurs. Le néolibéralisme fonctionne comme un obscurantisme parce qu'il tient pour vrai des choses qui sont fausses et arrive à vous les enfiler dans le crâne au point que vous filez par vous-même par vous dire « Oui, mais il y a peut-être du vrai. » Non, il n'y a pas de vrai là-dedans, c'est faux. Le philosophe Bell disait « Il n'y a rien de plus ridicule que de discuter des effets d'une cause qui n'existe pas. » La cause qui n'existe pas, c'est que les êtres humains seraient incapables de se garantir leur bonheur mutuel en partageant. Si vous partagez, il y a de quoi faire vivre tout le monde bien. Si vous partagez, il y a moyen de partager, de produire et de consommer raisonnablement, c'est-à-dire en tenant compte de notre environnement. Première forme, tenir pour vrai des choses fausses. Deuxième forme de l'obscurantisme, empêcher la propagation du savoir. Ça ne va pas être trop long, mais je dois vous le dire. En ce moment, il y a une bataille qui commence, et vous devez bien regarder ça, les gens. Parce que nous autres, qui venons du commun, nous avons toujours cru que c'est par les études que nos enfants amélioreront la situation, leur situation de vie, et pas seulement leur situation matérielle, aussi leur situation morale, intellectuelle. C'était dans ma famille un événement extraordinaire que je sois bachelier, parce que j'étais le premier bachelier de la famille. Alors je ne vous dis pas, quand j'ai eu la licence de philosophie, pouh ! Là c'était... Et mes parents étaient tellement fiers. Et moi pareil, en voyant ma fille,
ma petite fille, comme je suis fier quand je lis le bulletin scolaire. Et vous êtes pareil, vous autres. Parce qu'on se dit, eh ben, celle-ci, celui-ci, il va améliorer sa vie par lui-même. Parce qu'il sait faire des choses, parce qu'après, il va apprendre un bon métier. Et on n'a pas de bon métier si on n'a pas des connaissances. Il n'y a que les imbéciles qui n'ont jamais travaillé, qui croient qu'on a l'intelligence des mains. Bien sûr qu'il faut être habile. Mais les mains, c'est relié à un truc qui s'appelle le cerveau. S'il n'y a rien dans le cerveau, il n'y a rien dans les mains. Tous les métiers nécessitent une qualification, une instruction. Et plus elle est étendue, meilleur est le travailleur. Oui, oui. Pour tout, si vous voulez avoir un bon chaudronnier, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de fabriquer une carlingue d'avion, parce qu'ils ne font pas de chaudron, hein, les chaudronniers, une carlingue d'avion, de bateau ou de voiture réglée au millimètre près, il faut que vous ayez quelqu'un qui a dans sa tête la capacité de commander la machine, donc le programme qu'on met dans la machine. Tout ça, c'est des maths, c'est de la physique. Demandez à un prof d'enseignement professionnel, il va vous expliquer ce qu'il y a dans la caboche d'un môme qui est en train de passer son bac professionnel dans le métier de chaudronnerie. Ben, il y en a. Il y en a au moins autant que dans un élève dans la tête d'un élève de mathélème. Sauf que ça passe par d'autres voies pour apprendre. D'accord ? Le savoir appartient à l'humanité comme quasiment un fait d'espèce. Nous sommes l'espèce qui a le plus en commun l'apprentissage. Nos petits, c'est pas toujours génial, et bien même nos petits, ils s'apprennent les uns les autres, notamment les bêtises. Vous n'avez qu'à voir à quelle vitesse ça se propage. Hein, quand il y en a un qui a trouvé une bêtise, à quelle vitesse les autres la font aussi. Donc, même petits, nos petits apprennent et apprennent aux autres. Et puis, comme il y a d'autres espèces hein, qui apprennent en telle, mais nous, nous avons le langage, donc ça permet d'être de plus en plus fin. C'est fin parce que le langage permet de bien dire les choses, de les désigner, de les montrer. Les lapons, ils ont 25 noms pour décrire l'état de la neige. Que vous, là, quand vous allez avoir fini ma phrase, vous allez commencer à essayer de réfléchir. Si vous en trouvez 5, déjà, vous êtes fort. Mais c'est clair que quand vous connaissez 25 noms pour décrire l'état d'une chose, quand vous le dites à quelqu'un d'autre, eh bien évidemment, ça facilite énormément la transmission. Et la... Bref, l'apprentissage chez les êtres humains produit ce qu'on appelle une culture cumulative. Nous sommes tous les enfants de milliers de livres écrits avant nous, de milliers d'expériences qui ont été vécues. Les êtres humains ne sont rien sans le savoir qu'ils ont en partage. D'où l'importance de continuer à partager le savoir, à le partager sans condition. C'est la règle de base de l'idée de l'éducation nationale dans notre pays, fondée par la grande révolution de 1789. L'instruction publique, telle que l'a réclamée Le Peltier, Saint-Fargeau ou Condorcet. On apprend à tout le monde, parce que plus on apprend, plus on est savant, et plus tout le monde avance. Eh bien, l'obscurantisme de notre temps, c'est quand ils décident que le savoir est une marchandise auquel n'accèdent que ceux qui ont les moyens de se la payer. Alors ceux-là font le pire de tout, le contraire de ce qui était la gloire de l'histoire humaine, la transmission du savoir. Ne croyez pas que j'exagère. Ils veulent faire du savoir une marchandise et pour y arriver, ils organisent un marché. Déjà, vous les voyez arriver par les côtés. Vous avez ces entreprises qui viennent vous aider à préparer votre dossier pour Parcoursup. Ça vous dit quelque chose? D'accord? Entre 200 et 900 euros. Vous avez ces entreprises qui viennent vous aider à préparer votre dossier pour la reconnaissance des acquis professionnels. Vous avez des formations dans lesquelles vous ne pouvez déposer votre candidature qu'en payant un frais de dossier, parce que maintenant, il y a des frais de dossier pour se faire enregistrer, être candidat à entrer dans une fac. Jusqu'à 150 euros. Et voilà autour. Et après, c'est les savoirs eux-mêmes. Comment ils font un marché? Eh bien, ils commencent par faire ce qu'ils appellent des établissements autonomes. Alors, les gens qui sont dedans, ils sont d'accord pour être autonomes. Ils disent « Ah ben ouais, ben là, on préférerait quand même pouvoir dire notre mot. » Mais c'est pas ça dont on vous parle, Ballot. Ce dont on vous parle, c'est de transformer chaque établissement comme une usine, une en compétition avec l'autre. Et vous avez toute cette presse qui fait des classements tous les ans. Les 20 meilleurs lycées du pays, vous avez des gosses, où vous voulez les mettre? Dans les 20 plus mauvais? Non, vous voulez tous les mettre dans les 20 meilleurs. Et vous êtes prêts à vous saigner pour y arriver. Et voilà comment on organise un marché. On crée une compétition, on crée des structures autonomes. Et comme il n'y a rien qui les arrête, déjà au collège, ils ont commencé par dire que 20% des horaires serait à la discrétion de la direction locale. Donc vous avez votre gosse dans un collège, vous dans un autre, ils n'apprennent pas la même chose. Lesquels des deux est le mieux? Vous n'en savez rien, vous n'êtes pas prof, vous n'en savez rien. Vous vous dites, ben moi je fais confiance, c'est leur métier.
Mais vous ne pouvez plus faire confiance, vous ne savez pas. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous allez acheter un de ces journaux pourris qui vous dit, voilà le classement. Ah, pas de pot, il y a de la place pour votre gosse que dans l'établissement qui est en bas du classement. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien rien, parce que vous ne pouvez rien faire. Et vous avez en quelques minutes, tout a été détruit. Ils ont fait pareil d'abord pour l'université. Et maintenant, ils sont en train de le faire pour le lycée. Ils ont organisé le pire du pire à mes yeux. L'école doit être gratuite, elle doit être égalitaire, elle doit être la même pour tous nos gosses. Eux, ils fabriquent des établissements qui sont des établissements qui permettent la sécession des riches et de leurs enfants. Les soi-disant lycées internationaux, aujourd'hui il y en a, ça marche bien, forcément, on y concentre les moyens. Des lycées internationaux qui vont recruter évidemment à partir d'un certain niveau, blablabla, vous connaissez tout ça, c'est pas votre gosse. Ou alors exceptionnellement, est-ce qu'il y en a un, on le mettra dans la vitrine pour montrer que tout le monde pourrait accéder à ces établissements. Mais ce n'est pas la vérité. Certains iront et pas d'autres. Et ces établissements, ils ont le droit de recevoir des fonds privés. Vous vous figurez que des fonds privés vont aller dans des établissements, pourquoi faire? Parce qu'ils sont généreux, ne veulent pas payer d'impôts. Ils fraudent comme des bêtes, on vous l'a raconté tout à l'heure. S'ils y mettent du fric, c'est parce qu'ils y trouveront leur intérêt. Et parce qu'on va commencer comme ça. Et après, on mettra des frais d'inscription. Et après, vous aurez une école pour les riches et une école pour les pauvres. Et ça, dans la patrie républicaine des Français, c'est une monstruosité. Nous allons nous y opposer de toutes les manières possibles. Quel rapport ça a avec l'Europe? Eh bien, ça vient d'Europe, tout ça. Ça vient de la Commission européenne. Ça s'appelle le processus de Bologne. Voilà ce qu'ils ont décidé. À chaque fois, ils vous disent « Ah, il y a le processus Erasmus ». Alors, vous dites « Ça doit être bien », parce qu'ils ont l'air tous contents. C'était des mômes qui allaient d'un pays à l'autre. Ça, c'est une très bonne idée. Mais avant, c'était avec une bourse, hein? D'accord? Parce que sinon, vous ne pouvez pas, vous. Eh bien, maintenant, c'est avec un prêt. Vous comprenez? On responsabilise. Voilà. Donc vous commencez la vie et vous avez déjà une montagne comme ça de près sur la tête. C'est ce qui se passe en ce moment aux États-Unis d'Amérique. Et c'est pour ça que notre camarade Bernie Sanders est tellement entendu, parce que lui dit, moi, on va revenir à l'enseignement gratuit. Mais nous, on est dans l'enseignement gratuit. Bon sang de bois, on ne va quand même pas laisser faire ça. On ne va pas laisser cet enseignement gratuit devenir cette chose à commerce qu'ils veulent faire. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un pognon fou là-dedans. Un pognon de dingue. Il y a plus d'argent dans l'éducation qu'il y en a dans la santé dans le monde. Et vous autres tous, vous êtes prêts à faire tous les sacrifices pour vos gosses. Et d'ailleurs, des fois, vous le faites déjà. Parce que dans une série d'endroits, d'excellents amis ont mis leurs gosses dans l'enseignement privé parce que l'enseignement public était plus haut niveau. Ah, estiment-ils, eux? Je ne porte pas de jugement là-dessus. La situation est tellement dégradée que... Mais quand même, les gens, on ne peut pas laisser faire ça. Ils ont imaginé que dans certains départements, on pourrait regrouper dans un même établissement, tenez-vous bien, le collège, l'école primaire et même l'école maternelle. Alors il y aurait les écoles pour les sauvages de la montagne, les isolés de la plaine, et puis le reste du monde. C'est-à-dire on continue cette espèce de concentration des moyens au même endroit et du capital. Voilà ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Et les profs ont commencé à se mettre en mouvement. Et tout d'un coup, plein de choses leur apparaissent. Je viens maintenant sur le dernier point de l'obscurantisme, c'est ignorer volontairement. C'est-à-dire qu'on organise l'ignorance. Encore des nouvelles? Ah merde, faudrait savoir. Ne pas annoncer de date. Vous saurez tout à l'heure de quoi. Où j'en étais? Ouais, j'étais sur l'école gratuite. Hein. Qu'est-ce que vous dites? Non, si vous parlez tous en même temps, ça ne va pas le faire. Vous, madame, vous avez l'air de suivre. Voilà. Merci. Organisez l'ignorance. Il y a des profs ici dans la salle? Non, parce que sinon, ça va saouler les autres. Levez la main que je vois. Ah, quand même. Il y en a quelques-uns. Ah oui, il y en a derrière aussi. Merci les profs. Alors, vous autres, les profs, il ne faut pas seulement vous préoccuper de l'organisation de l'école comme est en train de vouloir vous la faire M. Blanquer. D'abord, j'ai lu dans toutes sortes de journaux que tout le monde adorait M. Blanquer. Pourquoi pas? Moi, je me demande pourquoi, parce que je le connais. Alors, c'est un homme intelligent et, de ce point de vue, estimable. Mais enfin, sous M. Sarkozy, il exerçait déjà une responsabilité.
Il était directeur de l'enseignement scolaire, c'est comme ça que ça s'appelle. Cet homme a liquidé 12 000 postes de profs. Alors quand maintenant il vient vous dire qu'il va en créer, on a des raisons de penser qu'il se fout de nous. Parce que ce n'est pas ce qu'il a l'intention de faire. Mais ce n'est pas que ça sur quoi il faut réfléchir, les gens. Il faut réfléchir maintenant sur le contenu des programmes. Bon, je ne vais pas vous saouler une heure avec ça. Mais il y a quand même des intellectuels organiques dans la salle, des gens qui, même sans être prof et sans avoir des paquets de diplômes, aiment lire et s'intéressent à tout. Regardez bien. Dans le cours de philo, ils ont décidé d'enlever deux thèmes et d'en rajouter un. Celui qui rajoute, c'est le retour de Dieu. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça peut être un thème aussi. Mais les deux qu'ils ont enlevés, je trouve ça quand même un peu... Le premier thème qu'ils ont enlevé, le travail. Mais oui. Deuxième thème qu'ils ont enlevé, l'inconscient. Autrement dit, un jeune homme ou une jeune femme de notre temps va à l'école en cours de philo et on ne lui parle ni de Marx, ni de Freud. C'est comme si vous alliez au cours de sciences et on ne vous parle ni d'Einstein, ni de la physique quantique, ni de la théorie de la relativité, parce que tout ça, ça sert à rien. Hein ? Tandis que savoir allumer un briquet, ça oui, parce qu'il faut l'acheter. Je plaisante à peine, mais c'est un scandale. Les cours d'histoire, c'est pareil. Si on n'apprend pas à tous les petits Français ce qu'est la révolution de 1789, ils n'ont pas de raison particulière d'être Français. Parce que être Français, à part la carte d'identité sur laquelle c'est marqué que vous l'êtes, ce qui nous relie les uns aux autres, c'est le pacte politique liberté, égalité, fraternité. Quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la religion, quel que soit le savoir des jeunes gens, une volonté de vivre et de faire et de bien faire et de bien vivre, qui est appuyée sur l'histoire, devient une force irrépressible qui peut vaincre toutes les difficultés. Et c'est à quoi correspond le sentiment d'insoumis, si ça veut dire quelque chose, insoumis. C'est une manière d'être personnelle avant d'être un programme politique. Mais c'est aussi un programme politique. Et ça devient un programme politique parce qu'il est enraciné dans l'idée que vous vous faites de vous-même, qui est que vous n'êtes pas des choses. Vous n'êtes pas seulement décrit par votre genre ou par votre métier. Vous êtes des gens qui contenaient la possibilité d'un monde entier qui est contenu dans leur tête, à condition qu'on veuille bien considérer que toute personne se vaut et que nous sommes semblables. Et comme nous sommes semblables, alors il y a un intérêt général humain, et je reviens au début de mon discours, cet intérêt général humain, c'est que ne soit pas détruit par le capitalisme financier de notre époque, dont la Commission européenne et le syndic ne soient pas contraints à détruire les êtres humains et la nature. Voilà pourquoi nous, à notre tour, à notre temps, à ce moment-ci de l'histoire, après avoir été pendant des générations les enfants de l'humanisme dont je vous parlais tout à l'heure, renaît en Europe au XIVe siècle, continué dans les Lumières, exprimé politiquement dans la Grande Révolution de 1789, maintenant vécu ensuite dans la Commune de Paris et dans toutes les expériences et tentatives socialistes qui voulaient changer la vie des gens en y établissant l'égalité. On le sait, au prix de quelles erreurs, mais aussi au prix de quels espoirs, de quel dévouement, de quelle lutte sans fin qu'ont mené les générations avant nous. Maintenant, le moment est venu d'entrer dans une nouvelle phase idéologique et politique, celle du nouvel humanisme, où on redit le siège de la vérité est dans nos esprits, et le siège de l'efficacité est dans notre action, comme on le pensait au début, mais on y ajoute quelque chose de fondamental. Il n'est pas vrai que l'être humain doit se rendre, comme le disait Descartes, maître et possesseur de la nature. Il n'est plus question de se rendre maître et possesseur de la nature. Il s'agit d'être en harmonie avec elle. Et l'harmonie est une chose très précise, ça porte un nom. Ça s'appelle la règle verte. L'harmonie, c'est comme dans la musique, c'est la concordance des temps. La règle verte signifie qu'on ne prend pas plus à la nature qu'elle n'est capable de reconstituer. C'est un défi technique, scientifique majeur. Tel est le nouvel humanisme. Il se préoccupe non seulement des êtres humains, mais il pense que les êtres humains ne peuvent vivre et exister qu'au milieu de la biodiversité et que notre premier devoir est que nous sommes concernés par la moindre des libellules, la plus innocente des abeilles et la grenouille la plus vulgaire. Tout ça est un seul monde, c'est le monde vivant. Il doit vivre en harmonie.
Alors, criminels et irresponsables, ceux qui n'assument pas cette responsabilité, ce petit bavard qui arrive et qui vous dit « Eh bien, moi, il n'y aura plus de glyphosate d'ici 3 ans », et puis qui revient 8 mois après et qui vous dit « Bon, maintenant, je ne vais pas vous dire que c'est d'ici 3 ans parce que ce n'est pas vrai, je l'assume. » T'assumes quoi, que t'es un menteur ? Et pourquoi tu dis aux gens des choses comme ça ? Parce qu'à chaque fois que nous, on propose l'interdiction immédiate du glyphosate, c'est pas parce qu'on a quelque chose contre le glyphosate en particulier, il ne nous a rien fait, nous ne le connaissons pas. Mais il empoisonne tout le monde, et il est en train de détruire la biodiversité sur tout le continent européen. Il faut arrêter immédiatement d'utiliser cette saleté. Et cette saleté, elle est appuyée sur un lobby puissant. Bayer, Monsanto, la première firme chimique du monde. Bayer, il y a longtemps qu'il aurait dû être fermé compte tenu de ses exploits dans le passé. Oui, oui, non, mais moi, j'oublie rien. Je connais l'histoire. Les revoilà. Donc, le glyphosate doit être interdit. On dit, s'il y a des méthodes alternatives, ben, renseignez-vous, il y en a. Et s'il n'y en a pas, supposez. Alors ? Ah ben, on peut tous s'empoisonner, hein, puisqu'il n'y a pas d'alternative. Hein ? Un petit cancer par-ci, un autre par-là ? Vos gosses qui naissent mal formés ? C'est ça que vous voulez ? Non, bien sûr que c'est pas ça que vous voulez. On vous fait crédit de penser que vous êtes aussi des êtres humains, que vous aussi vous avez des enfants, vous aussi vous préoccupez comme nous du bien-être. Alors il faut arrêter tout de suite. Mais il ne faut pas raconter que vous allez le faire alors que ce n'est pas vrai. Il ne faut pas raconter que vous allez dire à l'Europe blabli blablabla alors que vous avez accepté que l'Europe décide de prolonger pour 5 ans l'autorisation du glyphosate. Ça ne veut pas dire que dans 5 ans ils vont l'interdire. Ça veut dire que dans 5 ans on rediscutera. Et expliquez-moi voir pourquoi les mêmes lobbies dont vous a parlé tout à l'heure Manon, ne seront pas à nouveau à l'œuvre pour vous faire rebouffer du glyphosate encore pendant 5 ans et jusqu'à ce que vous soyez tous morts. Parce que le capitalisme et la somme des intérêts particuliers ne fera jamais l'intérêt général. L'intérêt particulier des actionnaires et des gens qui font vivre Bayer Monsanto, c'est qu'ils vendent le plus possible de glyphosate et de Roundup. Parce que c'est leur raison d'être, parce qu'ils payent des gens pour ça et qu'ils ne vont pas venir vous dire qu'il ne faut pas le faire, puisque leur métier, c'est de le faire. Par conséquent, vous ne pouvez pas compter sur eux. Et si vous ne pouvez pas compter sur eux, sur quoi pouvez-vous compter ? Vous-même et la loi. La loi, voilà ce qui nous permet à nous d'être des révolutionnaires conséquents. La révolution est citoyenne parce qu'elle veut dire que chacun d'entre nous reprend le pouvoir et par la loi définit ce qui est bon pour tous. L'intérêt général, la volonté générale et la loi font une seule et même chose dans la stratégie qu'est la nôtre. C'est la raison pour laquelle il faut changer les conditions dans lesquelles la loi est produite et donc changer de constitution pour éviter qu'on retrouve 315 robots qui se lèvent comme des Playmobil pour s'applaudir entre eux dès qu'ils votent n'importe quoi. Ils font des photos et des photos avec leur téléphone pour envoyer partout. Quel pied, ça y est, on a voté la loi Blanquer. Quelle joie, la loi santé. Et voilà, plus de maternité par-ci, plus d'hôpital par-là, plus d'école. Mais on est responsabilisés. On va attendre. Vous allez vous retenir comme vous avez un enfant à mettre au monde. Et puis si jamais vous attrapez une grippe, bah, attendez que ça passe au bon moment. Par exemple, en août, c'est mieux parce qu'il y a moins de monde pour la grippe à l'hôpital. Voilà. Si je retrouve le papier, vous vous en tirez à bon compte. Alors, je vous ai tout dit. Ce que je voulais vous... J'espère que j'ai fait comprendre ça, maintenant on l'a fait mieux que moi. Mais comment tout ça a un rapport avec l'Union européenne ? Il ne s'agit pas pour nous de dire « Ah ben l'Europe, ce n'est pas notre sujet ». Et d'abord, comprenez bien que dans la stratégie qu'est la nôtre, nous, on concentre tout sur un mot, sortir des traités. Je m'aperçois qu'il y en a de plus en plus qui le disent comme nous. Ça me fait bien plaisir. Il y a encore quelques temps, on disait « Ah, vous allez sortir de l'Europe, l'Europe est nationaliste, etc. » Tous ces gens, il leur manque un élément dans leur raisonnement. Ils ont tellement l'habitude de dire oui au gouvernement de droite allemand que ça ne leur vient même pas à l'esprit qu'on puisse dire non. Et qu'une fois qu'on dirait non, les Allemands, qui ne sont pas des animaux, réfléchissent, les animaux aussi d'ailleurs certains, enfin, ils réfléchissent et ils disent, ben, si les Français ne veulent pas, comment on peut s'entendre ? Et ça s'appelle dialoguer. D'accord ? Mais on ne dialogue pas quand on arrive comme un petit garçon à courir derrière Madame Merkel, d'accord ? Et ne rien dire en disant « on va renégocier ». Puis tiens, pardon madame, où c'est ce qu'on signe ? Voilà, c'est ça qu'a fait Hollande. Et le suivant, il ne vaut pas plus cher. Parce qu'il a ri avec des grandes phrases, « je vais montrer, je vais dire, le travail détaché, nous avons obtenu un changement radical, les gens seront payés dans l'entreprise le même prix pour le salaire égal, travail, blablabla. »
1, c'est toujours pas voté. 2, on continue à payer les cotisations sociales dans le pays d'origine. Menteur. Horrible menteur. Parce que comme les cotisations payées dans le pays d'origine sont plus basses qu'ici, le dumping social va continuer. Vous savez combien il y a ? 400 000 contrats de travailleurs détachés dans ce pays. 800 000 dans le transport, demandez à Kamel. Parce que la seule chose qu'ils n'ont pas fichue dans leur fichu accord, c'est le transport. 800 000 contrats de travailleurs détachés dans le transport. Ce monde de mensonges. Ce monde de fausses vérités. Ces gens qui se donnent un air si important pour vous expliquer tout le bien qu'ils vous font quand ils font exactement l'inverse. Tout ça part du même noyau, de la même idée, qui est qu'il y aurait comme principe organisateur de la société le marché, et que lui, il organise l'harmonie nécessaire dans la société. Et nous, nous croyons que c'est l'action intelligente et que depuis 1487, nous pensons que le siège de la vérité est dans notre cerveau, pas dans le marché, ni dans quelques mains invisibles que ce soit, ni n'importe quelle autre métaphysique du même type. Les gens, quand on va voter, nous autres, on n'y va pas seulement parce qu'on aime bien les insoumis, parce que rien qu'à l'idée, moi, de voir Manon Aubry arriver au Parlement européen, avec ce qu'ils vont prendre, ça me fait un bien fou. Et encore, je ne vous ai pas dit tous les autres dans la liste, là, je viens de vous parler du travail détaché. C'est nous qui avons l'arme de dissuasion massive dans notre liste. Elle s'appelle Marina Mesure. Alors, elle aussi, elle a 29 ans. Je ne sais pas pourquoi, en ce moment, c'est l'âge. Hein. Et cette femme, c'est une fille d'ouvrier de mon coin, là-bas, dans les Bouches-du-Rhône. Et elle a fait les écoles, tout ça. Et puis, quand elle a eu fini les grandes écoles, elle s'est dit, ben, moi, je viens du peuple, donc je sers le peuple. Et au lieu de faire... la voilà partie dans le syndicalisme. Alors, évidemment, le syndicalisme, il repère la fille, c'est une affaire, quoi. Et ils l'ont donné les responsabilités à la CGT, je crois. Puis de la CGT, ils ont dit, waouh, elle est tellement extraordinaire qu'on la propose à la Fédération mondiale du bâtiment, bois, je crois qu'elle s'appelle bâtiment, bois, construction, un truc comme ça. Et elle est devenue la spécialiste des questions de droit du travail au plan international. C'est une fille formidable. La première fois que je la rencontre, je me dis, on va voir, ça doit être une fille qui vit dans les bureaux. Donc, de quoi elle me parle, la fille, de comment on construit une section syndicale au Qatar avec des travailleurs philippins. Elle me dit, bon, celle-là, elle est saine. Non, mais voilà, c'est tout. Elle est saine. Parce qu'elle n'a pas, elle a pas abandonné son milieu. Et elle voit un pauvre philippin qui se fait traiter comme un moins que rien. Et bien, l'idée qu'elle a, c'est de se dire comment je fais pour qu'ils puissent résister et comment je peux les aider. Et c'est la spécialiste du travail détaché. Donc, personne ne peut nous battre sur ce sujet. Quand elle va arriver dans l'hémicycle, le lendemain, tac, travail détaché. Ils vont en manger à tous les plats, tous les menus, travail détaché. Parce qu'on n'a pas besoin du statut de travailleur détaché. Des gens qui circulaient d'un pays à l'autre, il y en a toujours eu. Et on a une manière de faire fonctionner ça. Quand tu vas dans un pays, tu cotises dans le pays dans lequel tu es et tu as des droits dans le pays auquel tu es. Et quand tu changes de pays, eh ben, tu changes le droit qu'il y a avec. Et il n'y a pas besoin d'inventer un truc où un pauvre Roumain va quitter son pays pour venir faire un travail ici que quelqu'un d'autre aurait pu faire à sa place et à un autre prix. Et que le Roumain en question, comme il est parti, sa famille est sans lui. Quand il arrive ici, on le met dans un baraquement infâme, on le traite comme n'importe quoi, et comme il n'est pas là-bas pour faire le boulot, au moment où la Roumanie a besoin de gens pour faire le travail, ils ne les ont pas. Alors ils vont chercher des Ukrainiens. Vous le comprenez, les gens ? Alors on déménage la terre entière et les gens comme ça d'un pays à l'autre. Tout ça pourquoi ? Pour avoir à chaque fois des gens qui coûtent moins cher qu'à l'endroit où se trouve la production elle-même. C'est cette folie à laquelle nous mettrons un terme. Et nous allons le faire avec les gens les plus battants, les plus compétents, les plus informés, qui ne se laisseront intimider par rien, ni personne, jamais, comme des vrais insoumis et insoumises qu'ils sont. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire.